Elle a été lancée, la question? Oui. Ah, Oh, c'est une j'ai un DS qui est écran déjà. noir. Ah, c'est normal, il faut attendre que le lobby se charge et tout. Bref, ça fait un petit moment déjà. Ouais, ça fait un moment, ouais. Déco reco, sinon. Mais nous, on te voit. Elles sont pas obligées, hein. Non, non, j'étais allé regarder ce qu'est-ce que j'avais fait la semaine dernière. On est 17? 16. Le moment. Mais ta neige va arriver. Tadam! Ça, c'est inconnu, ça. Bon, il me faut une deuxième SL. Pas laisser le temps de lire. Lire quoi? Ok, du coup 4 TL pour qu'ils auront les radios, même si ça va être des petits groupes. Donc c'est plutôt chef de trinôme. Allez les gars. Go, faut Quoi, que tu t'as dit? t'enlèves. Ah, il manque un TL chez Sylvain. Il va avoir sous ses ordres un sapeur et un bazooka. Chouette. La team qui va tout faire péter. Vas-y, go. Hein. Eh non, moi c'est moi qui ai fait la j'ai fait aussi la mission, je te signale. Ouais, mais elle a Ton changé. prénom. Ton prénom en responsabilité. Spats. Non, c'est pas bon. Ah si, t'es. Un trinôme, ça va, tu gères. C'est pas un problème, c'est votre radio, je m'y suis pas fait encore. T'as tout bien, t'auras pas de radio? Ah si. Bah si. Une. Ouais, je mets. Merci, Chine. Allez, remplissez le reste. Putain, je suis avec Totor, quoi. La radio, faut appuyer sur la touche et tu parles. Non, mais vous switchez de radio, arrêtez de me prendre pour Non, un. là non. Non, Là il y a non. que la 3-4-3 là. T'as que Ouais, la c'est vrai, 3-4-3. bon, bah peut-être la prochaine fois alors. Non mais Spatz, pour le switch de radio, en fait, tu bannes une touche. Et quand tu switches de radio, tu t'appuies juste et ça switch tout seul. Ou tu fais comme Le moi, j'ai problème, pas c'est switch de pas la radio. touche. Le problème, c'est mon cerveau. Ça fait 5 ans que je joue à Arma, j'ai jamais switché de radio pour parler, alors. Ah, ok. Spatz, j'utilise pas ce jeu de radio moi. Un Ah vieux bon? grincheux. Allez, Texon, Ouais, un vieux flotte-toi. grincheux. Ben, J'avoue. il y a qu'un seul slot dispo, c'est médecin. C'est des meufs. Je vais le prendre, je vais le prendre, C'est je vais le le tien. prendre, voilà. Voilà. Bruno, Voilà. tu sais poser des charges? Ouais. Je sais. Il sait. C'est tout. Allez, go. Vous avez laissé un slot à Tanner ou pas? Bah non, il est pas là. Il a Non, dit qu'il venait. trop tard. On y va. Ben, d'accord. Non, mais toi, trop tard. Pauvre Tana. Tana. L'heure, c'est l'heure. Il est peut-être arrivé quelque chose. Ouais, mais ça on le sait pas.
Oui, il est parti picoler et faire un barbecue. Ouais, c'est vrai. Okay, dans la... On est en chute libre au démarrage, c'est ça hein? En avion, ouais. Le oui, saut et le... On va, tout est automatique. Oui. On saute dans la zone verte. Exact. Ok.
Alors, d'après le plan, on va considérer, et le briefing, on va considérer que tout accès par le sud de la base s'annonce extrêmement compliqué. Donc, on va éviter cette zone. L'objectif principal va être d'essayer de se regrouper à peu près au niveau de Typhon, et de faire une reconnaissance sur la zone au niveau de l'entrée du tunnel et éventuellement de l'entrée pâle pour voir ce qu'il y a. Pendant que la reco se fera, un petit groupe enverra les sapeurs un peu plus au nord. Alors, Kilo, c'est approximatif, c'est pas visible de la base, mais pas loin non plus de nous, pour aller placer les deux chars, les deux mines au niveau de la route pour contrer les éventuels renforts qu'on pourrait avoir. Espacer bien les mines. En fonction de ce qu'on a vu, vous êtes 7 et 8 par équipe, le tunnel, on passera peut-être pas tous d'un coup dedans. Une option est de balancer des unités sur l'entrée principale et éventuellement faire une diversion en fonction de ce qu'on verra sur zone, et ou de traverser la rivière, à voir où et dans quelles conditions. Pour repartir sur Yankee et se caler au niveau de Mangouste, pour avoir un visuel sur toute la partie basse de la base ennemie, pour éventuellement faire du tir à longue distance, arrosé pendant que la deuxième équipe passe par le tunnel. On va voir en fonction et on va aller checker la température de l'eau avant aussi. Et on verra aussi, j'espère, depuis la reconnaissance, si la zone de l'autre côté de la rivière, il y a autre chose qu'un putain de découvert gigantesque en pente. Sinon, c'est un peu pas terrible de vous envoyer là-bas. Voilà. On va vraiment faire en fonction de ce qu'on voit sur zone. Pas impossible aussi qu'on reste un groupe pour couvrir l'entrée du tunnel et l'entrée principale à peu près au niveau de Victor pour contrer ce qui pourrait arriver par le nord. Ok, est-ce qu'il y a des questions sur le plan global? Ok. Une. Parachutage, on drop dans la zone verte, on essaie de se regrouper au niveau d'Hector. Donc vous remontez vous chopez la route, et vous trouvez la route. Vous la suivez vers le nord, quand ça commence à partir plein nord et qu'il y a des arbres, c'est là. Regardez bien la carte avant de tomber. Poussez pas trop. Une fois qu'on est tous sur Hector, on se dirigera vers l'est pour rejoindre Typhon. Au niveau des canaux radio, je vais rester sur le 1, sur la 343. Syrah, pour Sylvain, tu te mettras sur le 2. Et Jestaf, Juliette, tu te mettras sur le 3. Et sur la 117, on va rester canal 1. On devrait se capter vachement bien du coup. Est-ce que quelqu'un a une question particulière? Ouais, une question. Tu comptais prendre l'eau dans, enfin la température de l'eau avant de traverser. C'est quand on posera sur Kilo les mines ou tu comptes faire un passage? Ça dépend si on voit ce qu'il y a sur Mangus, ce qu'il y a sur Yankee depuis l'autre côté de la berge. Parce que le problème, c'est que si on pousse trop à l'est sans trop voir l'entrée principale, on ne sait pas ce qu'il y a dessus. Et c'est ça, il faut le voir dès le début. Mais on va aviser en fonction de ce qu'on voit sur Typhon. Et de la gueule qu'a le tunnel et la gueule qu'a l'entrée principale. Même si, à mon avis, ça s'annonce optimiste de faire un assaut frontal. Je viens de comprendre que la photo, c'était la carte de la passe. Après, c'est une très secrète, mais c'est spécifique et moins gardée, c'est quand même gardée. Ouais. Je pense qu'on pourra ne pouvoir passer par là. Peux remercier les C'est pas sous. impossible. Ouais. Quoi? Les renseignements. Il est pas impossible aussi qu'on ait une équipe un petit peu en arrière pour choper les possibles renforts. Mais on va viser en fonction de comment ça va se passer sur zone. Vraiment de l'improvisation. Quand vous êtes dans la base, de manière générale, c'est la sécurisation des lieux qui importe
en premier. Vous touchez pas au système de refroidissement. Vous éliminez tout ce que vous trouvez comme ennemi et on s'occupera des problématiques techniques, à savoir l'explosion des camions et le verrouillage du système de refroidissement une fois que tout aura été sécurisé. Sauf ordre contraire en cas de c'est la panique et il faut faire des trucs vite. Oui, oui, oui. Voilà, voilà. Si jamais les camions se mettent à bouger, ils deviennent évidemment des cibles prioritaires. Libre à vous d'utiliser tout moyen à disposition pour les arrêter. Il ne faut pas qu'ils quittent la base. Ok. C'est bon pour tout le monde ? Oui. Oui, Dieu. On peut y aller. Bonne chance. Et on rendez-vous sur Hector. Bonjour à tous. Vous bien. Bonjour. 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 Radio. De Chine Check Radio. Blatt. J'entends. La radio, canal 2. On arrive par le sud, en fait. On est sur ce canal, si vous êtes sur. Blatt et c'est radio sur canal 2. C'est bon, bien pris. Chine, t'es bleu. Et rouge pour Blatt. Vous transmettez à vos gars, vous les retrouvez au sol, vous vous débrouillez avant d'arriver sur Kilo. De Chine, c'est pris. Ok, bien prêt. Ça va sauter. Spat, Sardo, m'entendez ou pas? On est bleu ou rouge, Chine? Bleu. Ok. C'est parti. Et Nico et Guts, vous êtes rouge si vous m'entendez. Chine au sol. Ok, je t'ai vu. C'est bon, personne ne me vise. Mais pour info, le patron est en vert. Bien reçu pour vert. Blatt au sol. Allez, on avance. Il y a 4 lapins là-bas, quoi. Ils se promènent. Il faut retrouver Chine. Je suis là, les gars. Il est juste derrière. Ah, là, il est là. C'est bon. Je vous couvre complet, chef. Ok, bah, on fonce vers le nord. C'est parti. On te suit. Pour info, on a le rouge qui doit être encore un peu sur nos arrières et le chef est sûrement loin devant nous. Okay. Ah bah non, rouge, il y a un rouge là. Nico? Oui. Tu veux venir avec nous? Oui. On recherche le reste de l'équipe. Bah c'est cool. Bon, on va vous retrouver Blast, vous inquiétez pas. Chine, t'as des gars moi avec toi? De Chine, j'ai deux rouges avec moi. Ok, parfait, je vous rejoins. Ok, on va bifurquer à droite, on va se mettre dans la forêt. Enfin, dans les arbres. On te suit, chef. Il y a Blood qui arrive, les gars, hein. Il va vous récupérer. Une fois sur Kilo, vous sécurisez la. Fais gaffe qu'il n'y ait pas des bêtes en position. Ils ont peut-être entendu l'avion. C'est pris pour sécurisation d'Hector. Ok, on va avancer jusqu'à Hector, on va sécuriser ça et puis, Blood et Sylvain vont nous retrouver. Ok.
Finalement, on va avancer jusqu'au bout, allez. Sardo, c'est toi qui as le bazooka? Ouais. Ok. S'il y a un véhicule blindé, priorité, tu ne t'attends pas à mon. Mirage. C'est encore plus loin, là, merde. Ah, on n'est pas encore arrivé. Je fais une petite pause map, deux secondes. Ouais, bleu, okay, on prend le flanc droit. Nickel. Ouais, on n'est pas encore arrivé, il y a encore quelques centaines de mètres. Okay, salut les gars. Je te laisse les hommes. Un visuel. Ah, il est là, ils sont tous là. Plein nord, château, un visuel. Plein nord. Ah oui, bien vu. Médico rapport. Même couleur que moi, médic. Copie. Donc encore 200 mètres avant d'arriver sur Hector. Le tech et Bruno, on passe en bleu. Et welcome, Vanak. Okay. Eh bleu, vous me prenez l'arme qui est en face là-bas en azimut 30, vous positionnez là. Rouge. Bleu, on bouge. Vous vous calez sur la droite en azimut 80 et premiers armes. Ok, positionnez-vous dans le fourré là. On va pas être mal. Prenez la route, je prends la droite de la forêt. Pas besoin de t'enfoncer dans la forêt comme en bleu. Hein. Ouais. Je recule. T'as des jumelles toi? Non. Pas de jumelles, Chine. Ok, moi j'en. Ok, on va switcher. Sardo, tu vas sur la route, passe. Prends la droite. Je vais prendre les. Je vais ça faire... marche. Je fais la route. Merci pour la remarque. Enfin, tu me diras. Le temps qu'un camion arrive, t'auras le temps de bouger. Hein. Non, ouais, mais c'était surtout en général, quoi. Bleu. Bleu, j'écoute. Je vous vois pas sur l'arbre que je tiens. Je me suis mis un petit peu sur les 40 plutôt que 30. Hein. Ok, non, tu vas directement sur l'axe que je t'ai dit. Pour comment rouge, vous recollez sur bleu. Ok, bleu. On ravance okay, plein nord, les arbres en face. Reçu. Bleu en mouvement. Une fois qu'on est dessus, on reprend la situation et ouais, on y va. Ok, on se fait discret. Ok, tu positionnes tes hommes. Shin, je te montre où tu veux que t'ailles. C'est bon? Carte? C'est bon pour la carte. Tu vois, ici. Actuellement, on est ici pour information. Ouais, je sais. Il okay. Faut que tu ailles ici. Tu te positionnes là. D'accord? C'est toi qui vas ouvrir la marche pour le groupe. Pas de problème. J'attends que Rouge est là. Blatt, sur moi, carte. Les autres, vous couvrez. Pas besoin de regarder. Okay. On est actuellement ici. Ok. On doit arriver ici. On va prendre les devants, les gars. Comment Chine va ouvrir la voie. Donc toi, tu couvres bien sur le flanc pendant on le est trajet. Par là. Okay. Pris. Le but c'est monter plein nord. On marche derrière lui ou sur son flanc droit Spatz. Non, ouais. Tu le décales derrière. Ouais, non, j'ai ouvert la marche. Pour arriver où Pour arriver où Sans doute faire la marche. On je va que tu arriver. Les couvres sur leur axe. Fin de forêt. D'accord. Vraiment au bout plein nord, on a 300 mètres qu'ils sont à faire. Okay. Exactement. Limite verte. Tout à fait. Oui. Ça marche. Ok. Chine, je suis prêt, ouais. Bon, c'est parti. Ok, je prends le départ, donc Sardo puis Spatz. Sira pour leader, on sera derrière toi un peu décalé sur la droite. C'est pris, merci Blot. Allez. Médic, go. Je vais ralentir un petit peu pour pas se fatiguer bêtement. On reste ici à forêt, on rentre pas dedans, c'est beaucoup trop dense là. On va se faire défoncer. Je vous laisse faire comme vous voulez les gars, tant que vous arrivez jusque le point, vous vous démerdez pour les positions, c'est à vous de trouver les axes pour vous protéger au mieux. Bien pris le bleu. Ouvrez bien l'œil à droite. Hein. Rouge est pris. Je prends les avant. Ouais, bien. Et rouge prend notre gauche, donc on devrait être pas mal. Devrait stopper, mettre un coup de jumelle en devant. C'est un grand découvert là. Ah, t'inquiète.
Je vois déjà, j'ai un très bon visuel, déjà en cours. Et l'avantage, c'est qu'on a l'autre équipe qui avance de côté du couvert à gauche de nous. Enfin, si on a un bunker à 300-400 mètres, on le verra pas là, de nuit. Ah, mais les potes le verront. D'accord. Bon, si, on a déjà un super visuel. Par contre, s'il est à droite, clairement, on va prendre cher, mais bon. Ouais, là, voilà. Ok, je bifurque à gauche. Faites bien gaffe à droite, là, il commence à y avoir un découvert. Ok, Spat, tu me prendras à la droite. Sardo, tu me prends les avants. Donc nord Sardo, nord-est, est pour Spatz, je verrai pour le reste. Reçu. On se positionne par ici. C'est bon, vous êtes sur le point là. On se positionne sur le point actuellement. Rouge, vous positionnez à droite de bleu pour vous couvrir bon, l'axe droit. Ouais. C'est quoi ce truc là qu'on a près des arbres sur le flanc droit? T'as un truc plus précis? Caillou? Je vois pas mal de 60, cailloux. 60, hein. C'est un caillou? Ouais. Mais dis que tu 60 restes cailloux. Rouge là en retrait. Copie. Oh bah. Pour info, hein, de Sierra pour leader, on fait l'observation. Moi ouais, je suis à 50 cm. Ah, je me disais qu'il y avait, j'allais engueuler Chine, qu'il y avait un gars qui faisait n'importe quoi. Ouais. C'est le chef. Vous auriez eu raison, chef. Coup de crosse était pas loin. Pas de visuel hein, là-dessus. Hein. Et j'ai des couleurs bizarres en 22, jaune et rouge au niveau d'une route. Lointain. Il y a des avions en l'air. Ouais, on entend les audios. Ouais. En 20, 10, 20, deux avions, défilent en gauche. Ouais, c'est pris. À tous, patrouille au nord, faites attention. Donc on me fait dire à la radio qu'il y a une patrouille au nord, ouvrez bien l'œil. Ouais, 300 mètres pour information. Sur la première route devant on nous. On les voit là, on les voit. On les première voit, route devant nous. Deux hommes visibles pour le moment. Ouais, visuel. Azimut 10. C'est quoi cette route? C'est la petite route sur la carte dans nos positions. Rouge, vous concentrez bien sur notre axe droit. Ah ouais, c'est bien pris. Spat. Reprends bien le nord-est, hein. Laisse l'est à rouge. J va passer derrière sur le nord-est. Partir vers la trouée là qui est au 60. Au 60? Ok, ouais. D'accord. Pour l'instant, on surveille la zone là, et surtout cette patrouille là. Ah, ok. Ok. 3. On est 3 hommes. Ok, visuel sur la patrouille sur le côté. Ouais. Bah, on reste là, nous, et puis on attend tes instructions. Surveillance. Et toi à côté de gaz. Et on couvre la qui va passer. Spats. Pour info, c'est toi qui a la meilleure précision de l'équipe. La visuelle sur la patrouille, Blood, c'est bon? Donc, s'il faut qu'on engage, tu auras la priorité pour laisser les plus lointaines. Là, on va avoir Juliette qui va passer en axe 60. Donc, ils vont passer derrière nous et ils vont aller directement sur le flanc droit. Donc, il va falloir que tu sois vigilant maintenant sur le flanc gauche. T'as une PPS SH là, Sardou? Derrière Sierra, ah non, t'as encore autre chose. Ah, mais t'es bien aussi, toi. Non, non, moi, ça va, j'ai une bonne visée. Ouais, non, t'as un bon garant, ok. C'est cool. Ouais. Juste un truc, nous on a deux PPH et une carabine à répétition. Oui, oui, je sais, j'ai vu. Ok. Bon, bah j'ai deux mecs qui ont des tirs précis, donc c'est cool, des imprécis. Shin, j'écoute. Oui. Vu que Juliette va passer sur l'axe 60, on sera découvert sur le côté gauche. Combien de roquettes? Ok, on les couvre sur les patrouilles potentielles, ok. Donc nous, 3. On se concentre exclusivement sur le nord. Bah, t'es gars en fait. Ouais, c'est bien pris. Deux. Ok,
merci. Spat, tu m'entends? Tu vas pouvoir switcher vers le nord-ouest. Le visuel est pas top, je suis désolé pour toi. Tu vas peut-être pouvoir avoir un meilleur visuel si tu pars plus sur le comment, le 120, remonter un peu plus. Comme ça, au cas où tu te fais engager par les bus qui sont en face de nous, au moins on aura le temps de répliquer. Ouais, c'est pris. Pour positionner tes hommes comme tu le souhaites, pour avoir un meilleur visuel sur l'axe nord. En 80, il y a une avancée de forêt, je pense qu'on serait nickel là-bas. Ouais, c'est là-bas où tu me dis de retour. Ouais, j'irai pas jusque là. Moi. Ouais, je vais rester le temps que j'ai avancé. Si ouais, de ouais, toute façon, on verra après. C'est juste que. Rouge, c'est bon, vous êtes en position pour notre axe arrière et puis le flanc gauche. Ouais, c'est bon. Chut, j'ai un audio. Ok, bien. Véhicule. J'ai un audio. Toujours quelqu'un qui regarde le flanc droit le temps que Juliette passe. C'est un axe. Hein. Non, c'est peut-être les avions encore. Moi j'entends les avions en tout cas. Non, c'est les avions. Tiens, Gut. Ouais. Ça c'est la petite route qui finit un cul-de-sac qu'on a en face là, non? Confirmé. Et finit en cul-de-sac juste derrière les sapins. Oui. Sardo, est-ce que t'as suivi la patrouille? Savoir si elle était où est-ce qu'elle était partie? Non, je la vois plus. La dernière fois que je l'ai vu partir, elle partait en direction du nord, nord-est. Non, nord-est, ok, c'est pris. Un champ de neige à gauche de la route en fait, ils sont partis par là. Ouais, ouais, j'ai vu ça aussi, mais je les ai perdus après. Ouais, beaucoup sont genre partis au sur le 30, nord. 30 ou 40 quoi. 30-40, ok. Ah, Syrah, elle écoute. Ok, bien pris. Sinon, je te confirme les audios, c'est bien un avion, il n'y a pas d'avion. De... Ok. Chine. Ouais, je t'écoute. On va partir sur l'est, on va les suivre. Il y a un meilleur visuel par là-bas. Donc, tu commences ton axe en 80. Tu essaies de trouver une position pour avoir un visuel complet sur la vallée. Ok, okay. C'est pris. Une fois que tu es en position, que tu as trouvé ce que m'a dit le chef, tu préviens la radio et puis rouge, nous on suivra derrière. Okay. Qu'est-ce que t'as dit le chef? De quoi? Des contrôles, qu'est-ce qu'a dit le chef, mais c'est qu'a dit le chef. Faut que tu ailles, faut qu'on aille vers l'axe est. Il y a un meilleur visuel. D'accord. Sur toute la vallée. Okay, donc allez, c'est parti. Tu vas et tu me rends compte une fois que t'es en place. On lâche la position. Suivez-moi. On se fait ah oui, discret. J'ai te dire, Blatt, hein, quand je te laisse le médic, c'est un gars en plus pour toi. Hein. Tu le gères. Ah, pardon. Ok, vu que c'est vous qui avez les armes les plus précises, je vous laisse trouver le meilleur axe. Passez devant moi, Sardo. Et tu veux qu'on trouve une position? Ouais, trouvez-moi une position dans le coin qui est pas mal. Franchement, on était mieux là-bas, mais bon. Et vous, qu'on couvre quel axe? Principalement nord. Ouais, ça pue là. On a un meilleur visuel un peu plus à droite là sur le nord-est, mais bon, ouais, c'est, mais pas, bon. C'est pas ultime. On va se décaler un peu plus. On continue d'avancer un peu alors. Ouais. On a un beau découvert, c'est cool. Mais bon. C'est pas ici qu'ils vont venir les mecs. Il y a les alliés devant nous. Ouais, c'est pas plus loin. Ouais, on va arrêter alors. Le reste du groupe c'est est resté de Chine. Sur le premier point. Vas-y. Ils sont où les alliés? Les visuels sont pas top top, mais on a des gros découverts. Après, aucune chance que les patrouilles viennent par ici. Ok, mais t'as un visuel au cas où qu'il y a la patrouille allemande qui repasse. Tu sais qui sont les alliés, les gars? Ouais, confirmé. J'ai un visuel. S'ils approchent, on pourrait lui tirer encore mieux. Ok, bien pris. Rouge, on y va. On part sur l'est. Ok, donc j'ai confirmation, les gars. On tient bien le nord. Hein. Je vais essayer de vous retrouver la patrouille. Ce serait génial, mais bon.
Il faut qu'on aille bien plus à l'est. Oui, on est loin. Ouais, donc on est encore long. Hein. Ouais, encore c'est bon. On essaie d'être discret, après c'est pas forcément... Le problème c'est qu'il faut qu'on prenne la roco avant. Si. J'attends que Rouge prend ta place. Et... J'en veux un qui coupe derrière. Là tu reviens sur moi et tu prends la place de bleu. Ok. Annule l'ordre, il retourne. Chin. Ouais. Tu redécales encore sur l'est. Tu trouves une. Tu te fais aller quoi 50 mètres, un truc comme ça. On essaie de s'étaler. C'est bien pris. Là, c'est le vin. Ouais, vous vous mettez ici. On se déplace d'une trentaine de mètres encore les gars. Je vois la patrouille, je vois la patrouille. C'est pas allié ça va? Les gars, on check plein nord. Non, plein nord, défilé en gauche. Ouais, j'ai pris. Voilà. Sylvain, t'as pris? Ouais, j'ai vu. Ok, on se reconnaît quand même un petit peu les gars, on va essayer de choper les yeux. Décalé, rouge prend la patrouille en visuel. Ah, c'est bon, je la vois la patrouille. Elle est en plein nord. Ouais, c'est pas ulti par ici, mais bon. On va pas aller plus loin, sinon on va déranger notre équipe. Oh, putain, est-ce qu'on a du monde sur notre flanc droit? Ouais, allié, flanc droit, allié. D'accord, parce que là on voit rien. T'as tout Juliette et plus le commandement qui est sur flanc droit. Ils sont dans les arbres, je les ai vu tout à l'heure passer en 40. Ok, bien. Bleu, tu pars sur la trouée. L'espace qu'il y a où Juliette est partie. Il y a le chef qui t'attend là-bas. Ok, on part on avance les gars. Suivez-moi. Okay. Rouge, on reste ici en attente que là, bleu est en mouvement. Ah, et après, mon go, on part aussi. Même axe, est. Ok, bien pris. Bleu en mouvement. Ok, je me relève, hein, pas besoin de... On est bien planqué dans les arbres là. Alors la trouée c'est laquelle? Du Rouen, la trouée du Rouen. Allez, on commence à décaler rouge. Ouais, ça va être ça la trouée. Ou juste après. Oh putain. Tu me dis quand t'as fait jonction avec le leader. Ça tombe, on va passer dedans. À l'instant même. Ah, on voit la fumée, okay, on voit la fumée. Tu te mets en position. Ok, Sardo, tu me non, c'est pas, oui. Tu me reprends la position nord-ouest, tu essaies de voir la patrouille. Et après. Si t'as pas de visuel, tu me préviens. Sardo, tu me prends le nord-est. Ouais. Donc, on a un visuel de merde ici. J'ai pas de visuel. J'ai envoyé Juliette sur le brin de forêt, là, azimut 20, pour voir si j'ai un meilleur visuel. Toi, du coup. Ils étaient derrière une baraque à l'instant. Ouais, tu le verras pas affiché. 120. Ils sont beaucoup plus longs, je pense. Que tu vas tomber sur. En fait, ils sont en 350. Y a pas de soucis. Bah, de toute façon, là tu m'autorises à aller jusqu'où? Le visuel est pas top, ok. Bah, tant qu'on voit rien, on avance. D'accord, ok, bien. Objectif, c'est de bouger une position pour faire de la reconnaissance. Bien pris. Donc là, c'est bon, je peux partir. Genre, vas-y, groupe méga. Comme tu veux. Ok. Les leaders sur moi. Bleu sur place. Je suis là. Ok. On est ici. C'est bon, ouvrez vos cartes. Pas de problème. Bon pour toi, Blood. Ouais, c'est bon. On va partir comme ça. On va longer la forêt. Non, et une fois ici, on va essayer d'avoir un visuel. D'accord. Donc là, l'objectif, c'est d'aller là. Ok. Ouais, ok. Donc là, maintenant, c'est rouge qui va ouvrir. Bleu, vous restez en retrait. On se fait une sorte de file indienne. D'accord. C'est pris. On se laisse un espace entre les deux groupes de quoi 20 mètres. Au cas où qu'il y a un accrochage, au moins le deuxième groupe peut se redéployer. Pris. C'est bien donc, pris. C'est prêt. Blood, donc, c'est toi qui ouvre et t'as juste allongé. Tranquille. On descend ça. On n'est pas pressé, on y va tranquillement, sécurité avant tout. Okay. On reste bien à l'extérieur de la forêt. Tu es à la lisière de la forêt. Tu restes. Bien reçu. Donc là, on part tout de suite. Je te laisse dire à tes gars. Sardo, pareil pour toi, Chine. Ouais. Et une fois que c'est bon, vous me dites à la radio et puis on y va. Ok. C'est pris. On va bouger. Et là, on va faire progresser. On est sur moi, on va faire un plan rapide. Sylvain, t'es sûr que tu veux que Drano reste avec moi? Tu vas ouvrir. Là, je vais le reprendre. Okay. Bon, tu resteras, tu laisses 20 mètres entre rouge et toi. Okay. Et on suit tranquillement. Sardo, tu prends la deuxième position. Tu colles avec position. Bleu. Et je fais la. Avec bleu, excuse, je coupe. Tu as le Dranak avec toi en médic. Ok, c'est pris. Médic ici. Salut Dranak. Pour le coup, Dranak, tu vas se rendre en deuxième position derrière Spatz. Ouais, j'ai ouvert la carte. Derrière Spatz, ok. Et on va faire ça comme trajet. Où c'est qu'on va? On s'arrête à peu près là.
On va remonter jusqu'à la... On tout en descend haut, la c'est lisière de là. la forêt au sud, là, et après on remonte. On suit la lisière. On part 100 mètres dessus. Est. Bien pris. Allez, on peut y aller, Sylvain? Ouais, c'est parti. Ok, go, get. Ok, donc c'est Rouge est parti. Vous êtes autonome, hein. Je chine, c'est pas un rien. Je pars. Tu ouais, gères. Vas-y, c'est la distance. Allez, c'est parti, gars. Dranak, passe en bleu. Non, non, laisse-le, il va bouger pas mal, je pense. Ah, ok. Ouais, c'est pas grave, je vais changer. Ça me perturbe. Je veux colorier ma gueule. Si c'est la merde, si ça tire, trouvez un couvert et commencez à tirer. Si ça tire de l'arrière, laissez-moi suppresse comme un taré et après vous verrez bien. Il ira pour leader. C'est bon, on est en mouvement, on a déjà fait la moitié du trajet. Je te fais rencontre une fois arrivé sur place. Terminé. Faut qu'on accélère, attention. Sardo. Oui. Si des infos utiles, n'hésite pas à passer derrière. La reprise. Comment? Si des infos utiles, genre arrêt ou reprise, n'hésite pas à faire. Ah ouais. Contre. Ok. Pour l'instant, il ne s'est rien passé. Moi, j'entends les mecs devant, c'est pour ça que j'ai un doute. C'est l'autre groupe. Ouais, mais justement, si tu chopes un mec, c'est bon. Rouge en position. Si il chope un mec. Stop. Top. Stop. Ok, on stop. Nickel. Ok, bien pris. Faites un visuel. Reprenez le nord, les gars. Spatz, ouais. Essaye de nous voir surtout le nord-est. Okay, Dranak nord, Sardo nord et moi nord-ouest. On a aucun visuel. En même temps, nord-ouest c'est de la merde. Ouais, laisse tomber, je vais prendre nord-ouest, t'es chef toi. J'ai un gars là-bas. Rouge, vous passez la forêt de l'autre côté pour avoir un visuel sur Typhon. Chef du coup. Ok, ouais, bien pris. Tout à fait. Bleu, vous prenez on voit la des position lumières, de pas grand chose. Rouge et vous restez en attente. Parti rouge, c'est pris bleu. Ok, on redécale au niveau de doux rouge, de douté rouge et puis on reprend la position. Reparti. Ok, on est reparti. Sylvain, on va jusqu'à Typhon? On les suit pas, on prend une surposition. Non, tu traverses juste la forêt pour avoir un visuel sur Typhon. Je ne veux pas que tu ailles sur Typhon. On sera mieux là que de quel côté. Bien reçu. Ok. Alors la garnison, il y a combien? Ouais, c'est bon, Typhon, on a Typhon en visu, ça a l'air clair. Spatz, t'as combien de charges explosives? Ou deux? Bah, t'as mine, une. T'as une mine et deux charges explosives, ok, c'est pris. C'est possible de la foutre plus proche. Ouais. Pour rouge, tu vas sur Typhon et bleu, vous couvrez rouge pendant son axe. On attend l'arrivée de bleu pour bouger. Ok. Affirmatif. Spatz, on reprend le mouvement et on essaie de faire jonction avec rouge. Ils ont suivi la lisière, ils ont décalé 50 mètres. Parti. Ouais, ils sont pas trop. Parti. On est en mouvement. De bleu, on arrive sans vous. Visuel sur eux. Ok, mettez-vous à leur niveau et sécurisez la zone, on va les couvrir durant la progression. Dranak, yes. Tu me couvres les arrières à peu près nord. Okay. Par contre, la couverture, ouais, c'est en mettant contrebas. Ouais. Tu fais gaffe, hein, Blood. Ouais, t'inquiète. On va faire un échelon, Gust à la pointe, je serai à gauche. T'as un visuel correct, ça ou pas? Oui. Non, on voit rien. On y va doucement. Chef, on prend, venez, on va partir niveau de là. Niveau couverture, ça va pas être top là. L'idéal serait de monter sur les cailloux là en sang pour avoir un super visuel. Allez, allez, vas-y, tu y vas. Go, okay. Pour bleu. Tout bleu. Ok, rouge, on est parti. Spat, tu prends les avant, tu vas sur les rochers en sang. On aura un super visuel de là-bas.
Okay. Pour Blood, les rochers qui sont à gauche, tu vas voir Bleu qui va être dessus. Punaise, le teint se couvre. Non, c'est la cendre de la putain de fumée là qui me tombe dessus. Ok, je veux deux mecs max par caillou. Drac. Robinum avec Scott. Ok, c'est pris. Mec à la gauche. Je suis avec toi. À la rouge, vous avez juste un visuel sur l'entrée du sur les rochers à gauche, là tranquille, nous on se positionne moi, sur les rochers. Je vois visuel. Pas la garnison, je vois rien. Ouais, sur une là lumière, il y a des répète, tu vois. Je vois deux aftrak. Une fois que t'es là, est-ce que toi tu vois de l'autre côté, il y a quelque chose ou pas? Deux aftrak. Je comptais passer sur la droite un peu petit pour regarder l'entrée du tunnel. Les aftrak sont. Ils sont en gauche. Plutôt sur la gauche, parce que sur la droite tu vas passer de l'autre côté des rochers mecs, et tu vas rien un voir. Bunker au niveau du pont. Ouais, il y a. J'ai vu des véhicules aussi à gauche, des espèces de camions de transport. Ouais, ouais, azimut. Négatif, théoriquement sur la droite j'aurais une très bonne vision sur l'entrée du tunnel. Au milieu des baraques là? Ouais, au milieu des baraques, ouais. J'en vois qu'un, mais je te fais confiance. Il y en a deux, ils sont alignés l'un derrière l'autre et ils sont tous armés comme des connards. Tu te diriges en azimut 60. Je vois des armes qui dépassent sur les côtés, ouais, okay, ils d'accord. sont sûrement blindés de soldats dedans. Ouais, on voit les têtes des mecs dedans là. Je vois une cale au premier rocher, tu couches. Ça, c'est intéressant. Quel axe? Ok, bien pris. 330-335, loin. Bleu, gauche. Vous avez quoi comme visuel? De la ligne d'arbre. De bleu, de nord-ouest à nord-est, on a un super visuel. Par contre, côté est, pour couverture parfaite de rouge, il faudra que je remonte un peu plus haut. On voit Juliette. Ok, donc pour l'instant, personne visuel sur entrée du tunnel. Confirmez, pas de visuel sur entrée du tunnel. Pour poser la mine. Putain, on est super. Ok, bien, top communication. Pas dégueu. Top communication. Mine, je te rappelle qu'il faudrait que je pose une mine. Ouais, t'inquiète pas. Ok, ouais, j'ai pris une vidéo aussi. Ça va dépendre des ordres du chef. Hein. Vous avez quand même repéré qu'il y ait personne sur ces putains de. Voilà, c'est ce que j'ai. De cheminée. Ok, donc en gros. Eh bah, franchement, s'il y a un mec là-bas, je le plains pour la poussière. Mais on a, de côté, il n'y a personne. De côté, c'est pas dit par contre. Ok. Qui est pas un sniper? Attends. Bleu, je suis plus en retrait sur l'ouest. Ouais, tu vas décaler encore sur les derniers rochers là. Ok, et c'est même pris. Que là où tu es, ok. On déplace le dispositif. Sardo, on commence à bouger. Juliette, rapport. Rouge. Adranak, Scott, vous avez décalé d'un ou deux rochers. Tranquillement le long de on essaie de prendre visuel côté est un peu mieux. Du tunnel. Sardo, avec toi tu vas venir, on va se coller le plus loin possible. Oui. Ok. Bien reçu aussi là. Mais tu avances c'est tranquillement, c'est vraiment à la limite. Hein. Le but là c'est que toi tu passes pas putain, de reconnaissance. Là il y a de la lumière là. Faites-vous discret les gars. Ok, clairement la lumière et des barbelés aussi. Il y a des phares ou quelque chose là. Ouais, clairement. Il faudrait qu'on avance de 20 mètres pour avoir visuel, mais là on va se revoir. On a zéro couvert. Spats? Ouais, je t'écoute. Mais toi plutôt que gauche du rocher parce qu'à droite, là, bleu, c'est un total. On a vraiment notre axe par rapport à ce qui pourrait arriver de la ville. Là, c'est pris, bleu, on a visuel sur la ville, pas de problème, ça arrive. Ils sont où les autres là? Ils sont en dessous de nous là, 120. Ça se trouve, ils sont déjà sur l'entrée en plus. Ok, tout bleu, la priorité, c'est s'il y a le moindre mouvement qui arrive depuis la ville sur nous. C'est à nous de traiter. Sardo, tu seras dispo, enfin tu seras à portée pour tirer avec le moniteur. Répète. Notre but c'est de détecter et traiter ce qui pourrait arriver de la ville. À quelle portée maximale tu vas pouvoir tirer avec ton bazooka? Oh. Très proche. Hein. Ouais, je sais pas, okay. 50, 60 mètres. C'est bien ce que je pensais, ok, ça va être chiant. Là, s'il faut que je tire sur la route par exemple. Faut que je m'avance plus. Ouais, c'est ce que j'ai. En plus, les chenillés, il faut les prendre par derrière. Quoi. Ouais, tout à fait. Après, j'ai vu que des chenillés ouverts, donc on pourra traiter les gunners. De.
Leader pour bleu. Oui. Bleu, elle écoute. Descendre ou pas? Pour information, j'ai un qui m'a fait que tu ailles le plus discrètement possible pour aller sur Victor. Pour la meilleure tactique. Tu repars en arrière, tu traverses le niveau de la forêt de la Rosa où il y a Kilo et tu taxes sur Victor pour avoir un visuel à l'entrée du tunnel. Ok. C'est pris pour Victor vers Est. Est-ce que je passe en minant la zone au passage? J'ai une mine en rab avec mon sapeur. Je vais demander au commandement. Attends deux secondes, mais déjà tu peux déjà partir pour okay, faire les gars, la traversée. On va commencer de la route à bouger, on reprend la forêt en 300. Spatz, tu prends la tête. Ok, marche. C'est pris, on attend réponse durant le trajet. Allez, c'est reparti. Est-ce que tu m'entends, Spatz? J'entends. Ok. Quand tu arrives à la lisière de forêt, tu tapes à droite et tu remontes toute la lisière jusqu'à... Enfin, je te dirai stop. D'après. Le but, c'est qu'on remonte quasiment plein nord, là. On n'a pas le sapeur avec nous? Spatz est sapeur. Ah, ok. Mais j'ai pas encore eu de confirmation qu'il puisse miner. Pour votre info, droite. Faut qu'on traverse dans la forêt. Attends, Spatz, je vais te montrer carrément la cage. De leader attends. Pour bleu. Bleu, j'écoute. Actuellement, on est là. Vous êtes autorisé on à poser là. Votre mine en. Tu vas poser ta mine de kilo, sur Kilo. Vous allez traverser là. Et on va redescendre sur Victor le plus rapidement possible. Et les arbres dont tu me parles sont juste. Les arbres, tu la poses, tu la poses, une fois qu'elle est posée, c'est des tu prends en compte et puis tu continues ta route pour aller sur Victor. Le reste bon. C'est bien pris pour poser et mise en information. Ah, putain, j'y arrive un jour. Terminé. Ok, tu vois le trajet pour coup ouais, mais je me demande s'il fallait pas prendre les arbres qui sont au nord-ouest pour aller ensuite vers le nord-est. Non. Non, nord-ouest en fait c'est ceux-là. Okay. Là en fait on est déjà bon au nord-est pour aller sur Kilo. Ok, bah je pars. Ok, Drake, vas-y. Go. Sardo. Ouais, je suis. Ok. Oh putain, j'ai. On résisterait. Si t'as un doute, on fait une pause. On fait une reco si t'as un problème. La pause, on la fera dans les arbres. Ouais, t'inquiète pas. Je vais pas te laisser faire une pause en découvert. T'as un super caillou, est-ce que tu veux faire une pause? Ouais, c'est ce que je vais faire. Je me cale à l'arbre de droite. Ouais, vas-y, je vais prendre celui de gauche. Ah, écoute. Attendez. Si je vais derrière le sapin, je vais le faire. À vous. Ouais, je suis à côté, à ta gauche. Donc tu me donnes le feu vert pour aller piéger? On va s'approcher plus, on va déjà traverser... Côté gauche, en regardant le plan ou ton côté gauche à toi? Parce que si ça craint, il vaut mieux pas qu'on y aille tous en Chine. Non, j'ai envie qu'on traverse. Ok, bien. Okay. Ça nous permettra de voir s'il y a danger au passage. Et on aura, comme ça on pourra avoir un autre visuel. On a une patrouille sur le flanc gauche. Deux bleus, vous avez non, entendu je te le rappelle. Négatif de bleu, pas d'entre. À l'ouest. Il va vraiment falloir être très discret quand vous allez aller sur Victor parce que pour l'instant on aurait confirmation d'une MG fixe allemande côté est du tunnel. Entrée. C'est pris pour MG fixe est. Pour information, on arrive justement à Kilo là actuellement. On a fait attention. Ok, bien pris. Qu'on soit pas en visuel par rapport à l'entrée principale. Ouais, l'entrée principale pour l'instant, il y a une MG fixe sur l'entrée. Donc il faudra qu'on soit le plus discret possible pour aller jusqu'à Victor. Contact, c'est qui ça là-bas? Je sais pas, mais ça va être à nous. C'est allié, je pense. Putain. Je pense qu'ils sont en train de placer leur mine aussi, non?
Ouais, c'est allié sur les jumelles. Sierra de bleu. Bon, chef m'a compris. Ok, on va commencer à avancer. Ok, j'y vais. Parti. Parti. Suis. À l'écoute. J'ai des alliés en nord-ouest par rapport à nous ou pas? Ok, on... Oui, putain, je vais prendre le côté. Comme un con. Ouais, oui, je confirme si les alliés sont en train de poser une mine eux aussi. Ok, on peut traverser. Ok, merci de la confirmation. Hop. Ah, ça pourrait être une autre équipe, on ne connaissait pas. Ok, Spats. Ouais. Libre à toi proposer. Sardo, okay. Reste un petit peu en hauteur pour couverture au cas où, en cas de problème. Reçu. Dranak. Oui. Fais-moi une recoule au côté de la rivière, s'il te plaît. Des rivières. T'as des jumelles ou pas? Get. Ok, ouais, je vais y aller avec toi alors. Ouf, c'est noir sur blanc, hein, ça se voit. Oui, oui. Sauf s'ils ont été intelligents, ils ont camouflé les choses. Pour le moment, aucun visuel. Ok, chef, mine placée. Tu la places en plein milieu? Ouais. Ok. Ok, bon, on s'avance vers Victor. J'en veux deux de front pour être tranquille, enfin pour maîtriser au cas où. Sardo et Spat, vous passez devant. Allez-y le plus doucement possible. S'il faut qu'on y aille allongé sur tout du long, ça me dérange pas. Tu veux qu'on aille où là? Sur l'entrée, voir l'entrée principale. On redescend sud-est et on essaye de remonter sur Victor, soit un peu plus. Pour avoir un visuel sur l'entrée. Si on peut. Si c'est dangereux, on restera planqué en dessous de l'entrée. Ok, Pat, je te suis. Sierra de bleu. Dralak avec moi. À ton rythme. Parlez. Mine posée sur Kilo entre les deux rangées d'arbres, on avance sur Victor. Ok, on reste bien au niveau de la forêt tranquillement et quand tu arriveras sur le point Victor, tu commenceras à t'allonger et avancer tranquillement pour avoir un visuel sur l'entrée du tunnel. Épaule gauche. C'est pris pour y aller tranquillement. Donc le chef m'a bien dit, on y va tranquillement. Donc ouais, comme je disais, on finalisera à plat ventre si besoin, même c'est même à peu près sûr. On a une belle vue sur l'autre berge. Donc et on voit aussi s'ils sont. Apparemment, il n'y a rien de l'autre côté. Ouais, ouais, c'est tant mieux. Ah, fais gaffe là, parce que je vois déjà des cailloux. Dranak, yes. Bien sûr, tu passeras pas la tête, toi. Je crois que je. Viens là. Viens là, Spats. Shin. Spats. Hop. Dis-lui d'arrêter. Freeze. Ouais. Viens sur ma position. Je suis derrière toi. En 144. Ah, il y a un beau bunker, chose. Ouais. C'est un putain de bunker et je vois pas ce qu'il y a dedans, par contre. Et la lumière. Je vois du mouvement. C'est un putain de canon. C'est un canon anti-char. Est-ce qu'il y a moyen de passer par la gauche? Parce que là, ça pue. Je vais chercher Spats. Spats là, je suis là. Hein. Reste avec lui, ah, okay. Avance un tout petit peu. Ouais. Essaye de prendre un nouveau visuel, mais allez-y, allongez dès maintenant. Hein. Okay, j'avance. Je te suis. Ok, Drac, on va continuer à avancer un petit peu. Ah ouais, je te suis. Ouais. Tout doux, hein, tout doux. Sierra de bleu. En attente. Ok. À vous, bleu. On était à mi-chemin, on commence déjà à se mettre à plat ventre. Pour information, on a un bunker avec un canon anti-char pointé vers l'ouest, donc vers notre position. Ok, bien pris. Bah, essayez de rester discret parce que si lui vous tire dessus, ça a piqué. Hein. C'est bien pris, c'était en cours. Donc, on passe pas la tête côté droite, on passe pas la tête côté gauche. Il est drôle le chef. Faites le mort, faites les morts.
On voit rien. Arco aussi, il voit rien. Va falloir faire une pause là. Ouais. J'ai peut-être un visuel sur un truc là. Ouais, je m'arrête. Ok. Il y a des positions fortifiées en hauteur sur les. Ah non, c'est un silo. J'ai des sacs de sable, un mec avec radio sur en hauteur, putain vache. Franchement, c'est pourri ce taxe. Ouais. Oh putain, en plus on allait au l'autre bunker là. Comment ça, l'autre bunker? Eh ben, je vois l'autre entrée là, je vois l'entrée du tunnel là. Alors, c'est sûrement là qu'il y a la MG. Non, non, j'ai mis l'entrée principale. Ouais, vous surtout vous levez pas là, parce que là on est dans l'axe. Hein. Bon, pas, on avait. Commandant, il avait pas dit qu'il fallait qu'on passe par un tunnel, que c'était plus sécurisé. Je le vois en 190, je vois les alliés sur la droite des cailloux. Il y a un bunker et trois hommes. Je vois pas d'armes fixes sur l'entrée cachée. Ok, Drannak, tu te mets un peu plus dans la forêt. Tu me couvres tout ce qui peut arriver par le nord-ouest depuis la ville. S'il y a le moindre mouvement, tu me préviens rapidement. Donc bleu, hein, tranquille. Vous, votre but, c'est juste d'observer et de nous rendre compte une fois qu'on va lancer l'assaut. Spatz, Zardo, essaie de me trouver un visuel pour l'entrée principale. Elle est pas trop loin par contre. Putain. De bleu pour information, j'ai un visuel sur l'entrée des deux entrées. Ok, une fois que tu as un bon visuel, tu positionnes tes gars, le médic bien en retrait, on jettera des grenades avec rouge. Une fois que ça sera lancé, vous allez pouvoir faire un tir de couverture sur les cibles prioritaires. Donc la, la végétation est trop dense. C'est pris de bleu. Le problème, c'est que si je engage, j'ai peur de faire attaquer par entrée principale, dont le canon anti-char. Ok, bah tu vas rester en retrait, et puis je vais te dire quoi faire après. Faut passer par la berge. Ok, c'est pris, on pourra confirmer vos cibles si besoin. Y a pas de couvert là-bas, regarde. Les gars. Allez, non, c'est pourri là, il faut pas y aller. Le canon anti-char, il est dans l'entrée principale ou dans l'entrée du tunnel? L'anti-char est sur l'entrée principale, donc il est pas sur vous inquiétez pas. Ok, d'accord. Ok. J'ai réussi à demander au leader qu'on tire pas du tout. Donc vous restez bien planqué. Spat, est-ce que t'as réussi à choper un visuel côté principal? Et si j'ai un visuel, ils auront un visuel sur moi. Hein. Non, c'est oui. Pourri, Shin. Pourri, c'est pourri. Non, mais moi j'ai un visuel un peu plus en retrait si besoin pour l'entrée principale. Drannak, t'es à quel niveau? On reste comme ça, bleu, tranquille. Si vous pouvez vous avancer encore un tout petit peu, ou limite un peu plus haut. Pour être sûr que l'anti-char et l'AMG ne puissent pas vous tirer, vous pouvez continuer à monter. Hein. En plus, il y a plein de structures hautes, là, s'il y a des mecs en haut là. Sur la route RS pour le moment. Ouais, j'ai vu ça. À ton initiative, Shin. Ouais, c'est pris de bleu, sauf que j'ai un découvert de 50-70 mètres avant de prendre une belle hauteur. Ok, comme tu veux. Rouge, hein, on est toujours prêt. Tu positionnes tes gars, prêt à lancer les grenades en Mongo. Si on engage de là, je vais régler ma housse à 100 mètres, hein, je vous le dis. Pas bien pris. Non, mais on n'engage pas, passe. Sans passe, on n'engage pas. Actuellement, t'essaies juste de me trouver un visuel. Si besoin, recule côté nord-est. Il y avait des visuels sur l'entrée principale. Pas top, mais au moins reculer, un peu. J'essaie de trouver ça. Pour l'instant, le seul truc qu'on va faire, c'est j'aimerais savoir si ça bouge de l'entrée principale, s'ils sont RT. Et de mon côté, moi je vais confirmer les cibles de rouge qui vont attaquer l'entrée secrète. Ok. Ah ouais. Un visuel toi, Sardou là? Non, j'ai pas de visuel, mais. Même si t'as que 10%, je veux juste savoir si ça court là-bas. Hein. Pas c'est bien. Pour l'instant, j'ai 0%, Chine. Ouais, c'est ça. C'est bien pris. C'est Blood. Apparemment, le canon, il est pas dans l'entrée du tunnel. Hein. Il est dans la base. Nous, on n'aura pas de canon anti-char. Je pense que c'est donc... Vous, ça sera le... On va voir comment ça va se passer. C'est assez rassurant. De leader pour bleu, j'ai un visuel d'un mec qui est en plein milieu de la route. Rassurons-moi, c'est pas le médic. Plein milieu de la route, à notre niveau? Ouais, de votre côté, donc je sais pas, je m'inquiète.
J'ai le médic qui est un peu à découvert, 10 mètres de la route, mais il est en contrebas de toutes les entrées, donc invisible des deux entrées. Ok, moi je veux vraiment que tu traverses ton découvert et que tu commences à grimper la côte. La visuelle partielle sur le canon, T-shirt. Ok, c'est prêt, on va se bouger. Après, à gauche, il y a quoi? Ok, alors, pour moi, Spats. Il doit y avoir un bunker de chaque côté de la route. Mais là, tu on voit concentre-toi vraiment sur l'axe de la rivière pour être bien protégé. Shin. Ouais. Parler à Spats. C'est pris, on va essayer. Ouais, Spats, Sardo. Ouais, je vais être super sympa avec vous. Vous allez me traverser plein sud là en traversant le découvert pour prendre la hauteur. De là-haut, on sera protégé de l'entrée principale. T'es vachement sympa, toi. Ouais, je sais. T'as vu ça? Après, je vous rassure, si vous survivez, on vous suit. Ah oui, oui, d'accord. Bon, bah, Sardou, tu passes devant? Non. Je passe devant, ok. Donc, tu veux qu'on remonte au rocher là-bas hein. Attends, c'est le un rocher, fumis, tu vas en 160, t'essayes de rester côté rivière, donc côté à gauche. Tous, préparez-vous, on va lancer en plus. Attends. Bleu, vous êtes trop en ce moment, le temps que vous passez ce mouvement, ça va être compliqué. Ok, on annule les gars, on annule. Ah, ouf. On met trop de temps, que le leader, c'est bon, j'ai gagné assez de temps. Ok, remettez-vous à couvert. De rouge, leader. Moi j'étais bien, là, je voyais le canon et tout. Est-ce qu'on sait ce qu'il y a sur le côté ouest du tunnel? Je vais surtout faire une attaque. Le bunker avec l'antichar. Ouais. Attention rouge, je vais tirer sur le tireur de l'AMG. Donc à mon tir, tu balances des grenades. Ok, l'assaut va être lancé. Restez bien à couvert. Attention, attends rouge, le leader. Une fois qu'on a lancé les grenades, on lance l'assaut ou on reste en attente? Je te confirme que l'AMG est détruite, Spaz, je te donnerai un visuel ou pas sur... Ouais. Ok, bien reçu. Ouais. Dranak, s'il y a le moindre mouvement en venant de la ville, hein, tu te remets bien dans la forêt. Hein. Feu. Prêtez. Attendez les grenades. Hein. Des mecs qui sont sur la base... Laissez petit top action pour rouge. Bleu, vous commencez à avancer, vous remontez sur la route. Ok, c'est pris. T'as du monde ou pas? Bleu, c'est pris. Non, rouge tranquille. C'est quoi les consignes? On bouge, tant pis. Faut qu'on parte plein sud là. On va profiter de la prise. Drac en queue, Sardo Spats de passer devant. Pas de formation, vous allez comme des bourrins. Enfin comme des bourrins. Il y a un canon. Un courant? Non, pas en courant, mais discrètement, mais pas de formation. Sur la faites-moi un éclaté. Moi je passe. Ah non, s'il nous a pas vu, c'est vrai. Okay. Tapez à droite si vous pouvez, ouais. Y a une trace. Okay. Cours vers l'avant. Ouais. Baisse-toi pour courir. Faites attention, vous faites engager de l'autre côté. Non, tu crois c'est... Ouais, les mecs, faites plus jamais ça, quoi. Spats. Ouais. Quand je te dis, tu dois toujours rester baissé hein, dans ces cas-là. Hein. T'es baissé là, qu'est-ce que tu me fais? Non, t'étais debout. Ah, c'est Sardou, t'es devant. C'est Sardou, pardon. Et il y a le mec de la guérite là. Non, c'était moi qui étais devant. D'accord. Vous l'avez vu le mec du de la non. tour ou pas? Canon t-shirt. Ouais. Eh Blue, faites gaffe là, il est Mais putain, pourquoi tu t'es mis vers lui, Spats? Quoi? Qu'est-ce que vous me racontez, les mecs là? On était en derrière, enfin moi j'étais derrière la pente, il pouvait même pas me shooter, mais comme mais moi aussi. Non, tu t'es mis en plein devant lui. Il y avait un autre canon t-shirt sur l'anti-socrète. Tu t'es mis face à lui? Ah bah si, je suis pas... Ça, évidemment, j'avais pas ces infos là, moi. Ah bah moi non plus, j'étais pas au courant, hein, donc... Ah mais de toute façon, ce plan est foireux, Chine. Vous entendez, les gars? C'est ce que je dis à Sylvain, mais bon... Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce plan de merde? Ça va bien, on devait tous penser par le tunnel, hein, et au final... Putain... Ah moi, j'ai... Enfin, en même temps, je préviens à Sylvain que, ça serait... que c'est mortel, hein, il me dit... Ouais, faut vous aider, bah... Tu m'as dit de ne pas y aller, faut savoir. Ah putain. Bon bah super. Et ouais, en fait, t'as pas entendu au premier tir que le canon était par là-bas? Non, mais pour moi, le canon qui tirait, c'était celui de l'entrée principale, évidemment. Alors en fait, je sais pas si tu vois, tu as la neige qui est vachement plus sombre devant là où t'es mort. Il est en charpie. Oui, non, mais j'ai compris maintenant ce qui s'est passé. Mais moi, quand on me dit canon t-shirt tire, bah je suis derrière la colline.
Donc celui de l'entrée principale peut pas me tirer dessus. En fait, monsieur, j'ai vu l'impact du premier, donc le premier tir. Donc je voyais qu'il était devant nous, ça pouvait pas être celui de gauche. Ah bah, j'aime pas. Et le fait que ce soit debout, en fait, nous a tués. Zone de guerre. Oh putain. Alors que j'étais bien flanqué, c'était cool. Mais bon, le médic a survécu, c'est déjà un miracle parce qu'il a bien pris cher. Putain, il s'est fait. Eh merde. Hein. Ah ouais, c'est pas de soucis. Il a volé. Je comprends pas, les infos nous disent que l'entrée principale est très bien, hein. Donc tous nos efforts, ils devraient être concentrés sur le tunnel, putain. Bah en fait, je comprends pas ça, moi. Sylvain voulait qu'on fasse un appui-feu depuis où on était sur l'entrée secrète. Le truc, c'est que si on tirait, on se repérait par l'entrée principale. Ah oui, il y a pas de position pour un appui-feu. Je voulais pas le faire. C'est mais pour ça qu'ils nous ont dit de traverser. Sauf que nous avons été traversés avant, mais sauf que c'était mortel. Donc j'ai postpone pour qu'on puisse ne pas y aller, ce qu'on n'a pas fait pour le coup. Et une fois qu'il a commencé à tirer, il nous a dit d'y aller. Bon, on va crever. Bon, eh ben, tant pis. Bon, ben, je ferai pas de montage cette fois. Y a pas moyen. Je sais pas où il se trouve l'autre. Mais par contre, j'ai jamais eu d'infos sur Juliette. Il a fallu que je demande à chaque fois. Je sais même pas où ils sont, Juliette. Toi, sur moi, si tu veux. Non, pour moi, il fallait qu'on rentre tous dans le tunnel, comme les informations étaient données. On attaquait la base de l'intérieur en passant par là. C'était pas le plan. Le plan était, on pouvait faire un appui-feu depuis le côté de la rivière. Ce qui était une super idée, hein, puisque le gros des troupes est au niveau de l'entrée. Ouais, mais on n'a pas de visuel, hein, si tu veux, à mon avis. Hein. On est de l'autre côté de la rivière, on a visuel sur quasiment que dalle. Hein. Ah non, mais sur l'appui-feu sur l'intérieur. Si le mec s'est passé, ça passe. Ah ouais, mais je pense qu'il aurait fallu déjà essayer de passer. Hein. Parce que là, je regarde, mais ouais. On a juste un canon de 88 qui fait face à la rivière, une arme anti-aérienne sur un des silos qui fait face à la rivière. Putain, il tire depuis la ville. Ah, peut-être que ma mine va servir à quelque chose alors, peut-être. Non, les mecs, c'est carrément depuis la ville, là. J'ai pas vu l'origine des tirs, mais... Enfin, origine exacte. En plus, on n'a pas de grenade, je pense, donc... les mecs dans le bunker, là... Comment ils ont shooté le MG? Ah, d'accord, c'est bien ça, ouais. Ça veut être le AFTRA qui tire depuis le temps de la ville. C'est cool. Ah, y'a pas mal de monde quand même, ça vie. Ah, ça y est, j'ai visuel dessus. Tu l'as eu? C'est qui est mort, hein? C'est Nico. L'ai tué, c'est bon. Allez, c'est parti. Okay, go. Allez, go. Tu colles à droite. Attends, il a tué qui? Attention au gunner. Hein. Ah putain, il m'a l'air. Je crois que Sylvain a cru qu'il avait buté le canon. Fais gaffe, Guts. Attention, une grenade. Je suis dans l'angle, je vois personne moi. Hein. Je c'est jette bon, une grenade. Non, c'est bon, je l'ai eu. Je l'ai. Ils l'ont eu. T'es sûr, ça bouge encore. Hein. Ouais. Ah, je le vois. Attends, voilà, jette une grenade. Il est mort. Pourquoi j'ai pas les trajectoires de tir? Il a mal visé. Attends, je t'inquiète pas, t'inquiète. Attendez un peu, leader. On a presque pris possession d'entrée du bunker. Pas sûr, hein. Pas sûr, hein. Ouais, de rouge à leader, c'est clair. Leader, c'est bon. Entrée du camp sécurisée. Parce qu'il est mort. Bon, attention au niveau du comment. L'entrée là. Si t'as une grenade, jette-moi une grenade de l'autre côté. Attends, j'en fais une. Okay. J'en lance une. Tu pourras m'appeler le médic aussi? Ouais. Il s'est pris une balle dans la tête, j'ai regardé vite fait, mais. Il est mort? Oh ouais. Putain, ça va pas ranger mon cas ça. Sylvain? Ouais, j'ai besoin du médic, Mystery. Mon gars, il est pas bien là. Je vais quand même aller voir Nico, prendre le coup, mais. Oui, je sais, mais j'ai besoin du médic de Juliette, ils sont juste là-haut, tu les as fait bouger. Ok, alors Sylvain, tu remontes sur Juliette. Ah, je crois qu'il pense que t'as un qui est mort avec Sardo. Descendre là, parce qu'il faut absolument que tu récupères tes autres mecs. Ouais, Juliette va pénétrer dans le tunnel. Ok.
Allez, on se replie. Ah non, okay. Ils croient qu'ils ont. C'est juste qu'ils sont un peu foutus parce qu'ils sont de l'autre côté, ils sont dans une position de merde. Bah, bouge plus, je te souviens. Mets quelque chose, mets un garrot. Et applique-toi les bandages. Et c'est un peu pour ça que tu disais qu'il fallait absolument qu'on fasse les morts pour. En fait, j'ai fait exprès de proposer à Sylvain de constater les morts pour de ces grenades, parce qu'en fait, il comptait juste faire des lancers de grenades. Donc, d'où on était, on pouvait facilement lui dire il y a X morts, X morts, X morts, et puis basta quoi. Mais bon. Vers l'ouest. C'est parti, Blood, c'est bon? Presque. Allez, c'est parti. C'est bon. Enfin, je vais à mon rythme. Allez, on y va, on avance. Prends des munitions si tu peux dans son corps. Allez, go. Il avait pas la même arme que. Young, pour l'entrée secrète, elle est quand même bien armée, hein. Ouais, moi aussi j'avais pas compris ça dans le briefing, je pensais que l'entrée elle était vraiment secrète, ouais, non, donc pas défendue. Et... Ils ont dit moins armée, mais au lieu d'un bunker t'en as qu'un. Enfin, au lieu de deux bunkers t'en as qu'un seul. Ouais, mais t'as une MG, t'as un canon anti-char de la même manière quoi. Oui. Bon, en même temps t'as une route qui y va, donc au niveau secret c'est pas non plus ouf. Ouais, mais je m'attendais pas à ça en fait. Le mec, j'ai resté avec mon médic qui traverse là, ils essaient de comment. Okay. De s'allonger, de revenir sur la. Mais Juliette, ils sont beaucoup trop loin de la route. Hein. Alors, l'objectif, ça va être de. Ouais, ça va pas servir à grand chose. Hein. Quand les renforts vont arriver, je sais pas comment c'est timé ça, mais quand ça va arriver. Bah, en fait, ils ont déjà tiré les renforts, donc bon, c'est cool. Hein. Ils ont fait deux rafales hein, sur eux, déjà. Attends, némo. Ouais. Pour info, donc je sais. D'accord. Pas qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, on n'a pas cherché plus loin. D'accord, donc c'est pas safe totalement. L'entrée là elle est safe, dès que tu vas longer tranquillement les rochers, c'est bon. Fais gaffe, là t'es gaffe, faut pas trop qu'ils s'exposent sinon ils vont se faire buter de la ville. Stop les gars, stop. Faut qu'ils marchent vraiment accroupis. Hein. Mais okay, là c'est safe. Hein. Après je sais pas ce qu'il y a de l'autre côté du portail, c'est tout. Ok, ça, ouais, ok, ça il est où ton il médic? Il y a encore une couverture. Alors, sur la médic ville qui est sur les rochers. Et non, je suis tout le monde, d'accord, ok. D'accord, c'est le commandement qui fait la roco arrière. Ouais. Ça. Ok. Après, avec les sacs de ça, j'ai pas vu qu'on avait des pelles. Ça, c'est cool. Cette putain de truc qui tire là. Ils engagent. C'est les half track qui est dans la ville. Ah oui, d'accord. Je sais pas si c'est le premier ou le second, je dirais le premier quand même, mais bon. Ouais, il y a des chances. Mais il tire à. Ouais, pratiquement 2 km. Ah non, peut-être pas quand même. Attends, j'arrive pas à voir. Putain. Aïe. Donc Sardo et Dranak toujours à l'arrière. Tu te remets d'aplomb et quand ton médic est là, tu renvoies Goya sur Juliette. Et okay. Sur, Quelqu'un m'entend là? Ouais. Ah non, ah, c'est beau ce qu'il y a dans le tunnel. Hein. Ouais, c'est toujours plus gentil que l'entre principal, mais l'entre principal, t'avais beaucoup plus d'axes pour la traiter. Quoi. Là, c'est la ligne droite, quoi, donc. Ok, non. Lequel m'a tué? Ouais, non, mais après, bunker clear. Je sais pas, t'es peut-être mort par le premier tir du canon? Non. Balle en pleine tête. Ah, ok. Sympathique. C'est peut-être le gars qui était. Peut-être le mec qui était sur l'espèce de citerne à côté du. Ah? Ouais. Côté du. Ça s'appelle de la cheminée. Ouais, il est quand même vachement loin. Et j'ai un doute quand même. Voir quel visuel il avait, mais il avait pas de visuel. Ils ont le deuxième, c'est déjà ça.
C'est pas un troisième? Nope. Bon bah c'est clair pour avancer. Ils vont s'amuser après par contre, mais bon. Je sais pas du tout. Tu vas tout seul comme ça à l'intérieur? C'est vachement rassurant, d'autant qu'il ouvre l'axe et que t'as toute la zone qui est juste derrière lui. Il tire sur son yeux. Regarde-moi s'il y a quelqu'un dans le half-track. Non, non, il y a personne, j'ai rien. On voit pas tous la même zone, les gars. Moi je pense qu'elle peut être bien cette mission, hein, mais ouais, il faut pas faire comme ça, hein, je pense en tout cas. Ouais, c'est bon, tu l'as goûté. Enfin, ouais, il est. Je pense c'est pour ça que ça donne promotion. Oui, on l'avait vu. Parce que à la limite, on peut même attaquer l'entrée principale si on a pris l'entrée secondaire en passant par les arbres, tu vois. Ouais, tout à fait. Mais je pense que quand je lui ai dit de foncer, j'aurais dû dire non. Enfin, clairement, c'était mortel, quoi, on savait. J'aurais dû dire non au leader et puis je vais voir après. C'est bon, Goya, une fois que c'est fini, Dranak prend le relais. Le problème, c'est qu'en général, je dis pas non, je fais juste de manière la plus safe possible. Mais pas de façon safe, on était repérés et les mecs étaient prêts à me tirer dessus. Donc. Et j'ai adoré quand on s'est fait asmater par l'entrée principale, par la MG. Il est parti où, mon... Et le chef qui me fait à la radio. Viens. Attention, faites asmater. Hein. Sinon, tu vas te faire buter. Non, merci. J'ai pas pensé à regarder. Il m'a dit pareil pour le canon t-shirt. Hein. En fait, tu peux tirer dessus. Oui, je suis en courant, t'inquiète pas, on essaie de se mettre à couvert. Mais... On aurait dû contourner le tunnel de l'autre côté. Les rochers où il y a le tunnel par l'autre côté, non? Non, mais c'est fermé. Ouais, le tunnel, ouais, mais après, en train de regarder, il n'y avait pas un autre accès, après, il n'y a pas de, pour l'instant, je suis en train de, ouais, non, et tu tombes en bas de bunker, t'as deux, trois hommes. Ils sont tellement serrés dans le tunnel, là, c'est une horreur. S'il y a un mec qui passe... S'il y a un mec qui balance une grenade, ça va faire mal. Ah, ça, c'est clair, hein. Par contre, le half-track, c'est quand même c'est méchant de le mettre là. Hein. Parce que si un Allemand, par hasard, montait dans le... Totalement. Ouais. Après, je pense pour faire peur et pour pouvoir... Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé jouer cette mission jusqu'au bout. Ouais. Mais... C'est chier quand tu vois à quoi ça ressemble. Bon, attention, contact. Ça va y aller, là. Moi, j'aurais pas laissé passer Bruno devant, là, mais... Ok, attention. Nemo, t'es passé. Ok, jusque là tout va bien. Attention, mais attends. Ok, c'est bon. J'ai traité Nemo, la tech qui est derrière ses potes. Il a fait un TK, ça continue. Nemo, t'as failli prendre une cartouche. Non, tech. C'est ta faute si Nemo a pris une cartouche. Ok, Bruno. Qu'est-ce qu'on fait? Quand il y a un binôme qui ouvre, faut surtout attention, pas un troisième mec juste derrière. Check, regarde les escaliers en vue, Bruno. On va attendre avant de monter. Ensuite. Ouais, il va être bien celui-là. Je sais pas si vous avez vu, on démarche, il y a un petit mec qui est bien positionné pour les accueillir. Ouais, ouais, et puis il y a un fusil sniper sur sa table. J'avoue. C'est lequel celui-là déjà? C'est une Mosin? Non, je sais plus. N'empêche qu'ils sont beaucoup mieux positionnés. Non, on peut pas. Petits axes sympathiques. Mis à part Ben qui est totalement à découvert. On est arrivé à la fin du tunnel. Tu veux qu'on grimpe en haut ou pas? En rouge là, ça explose. On tire dedans? Aucune pas, idée, non. Mais c'est très rare hein, qu'un truc explose quand on tire dedans, dans la réalité. Ok. Y'a quoi après là? Dans le jeu, ça n'existe pas, ça, de toute façon, il faudrait que le GM le fasse. Ouais. Tu peux le faire, hein, tu peux scripter, mais c'est vrai que c'est comme tirer dans un véhicule et qu'il pète, hein, ça n'existe pas. Ah, au bout de boucher. Oui. Tu peux tirer dans un réservoir, ça pètera pas quand même. Hein, bonne chance. Voilà. Bah, prudent, grenade. Ce qui a pété, c'est à la rigueur, si t'arrives à faire un peu de feu. Faut passer l'escalier. Pareil, t'as raté, on peut chauffer. Bruno, faut essayer de prendre position là-haut. Pour l'instant, on a notre équipe. C'est une mission qui va pouvoir chauffer et donc exploser après. Suis Bruno en parallèle. C'est quand même dingue ça, parce qu'ils bougent pas les soldats, malgré le barouf que ça a fait. Ah, les QRF arrivent. Ah,
Ça bouge. Ah, il y a eu peut-être une petite merde avec les camions là. À l'entrée. J'entends une collision. Ouais, ouais, okay. C'est les deux camions. Ouais. Ils ont pas tiré la frappe ou pas déjà? Je crois pas, non. Non, non, ils sont là. Ah, ils sont encore là, d'accord. Le premier échelon, c'est des fantassins à pied, deux camions. Ouais, non, je pense que les fantassins sont sortis du camion et ont fait « Oh, on en a marre, on veut y aller !» Putain, les pauvres camions, ils font n'importe quoi. Alors, par contre, c'est dommage que nos mines soient utilisées pour ça, quoi. Pour des camions? Ouais. Tu sais, si tu détruis le camion qui transporte toutes les troupes, c'est pas mal déjà, tu l'infanterais en moins. Mais oui, oui, mais bon. J'aurais préféré un half-track, quitte à mourir au moment que ma charge. Putain, mais c'est pas possible ici. Ouais, ça, je suis pas sûr qu'ils ils y arrivent, les camions. Il y a un d'ailleurs. Camion, c'est bon, je pense qu'il est parti, mais alors l'autre, c'est compliqué. Allez, ça y est, ils vont être sur la route tous les deux t'es là. T'es pas du bon côté, t'es pas du bon côté. Ah là là, la oh collision. Non, mais sérieusement. Allez, okay. Bon, bah, quête de camion en moins. Non, non, attends, ils vivent encore. Ah, ok. Bon, ils sont crevés qu'à moitié la route, c'est bon, ça roule encore. Boum, re. Alia parfois. Hein. Et on alors, son pote, allez, par vas-y. Contre, les fantassins, ils sont pas loin d'arriver à l'entrée, donc on va voir si. Ah bah ils sont en place pour les accueillir. Y a pas de mec à l'extérieur ou pas? Alors, ouais, est-ce qu'il va y aller? Ah, je crois qu'il y a un camion qui va y aller. Pourquoi ils prennent pas la MG? Bah, ils vont la prendre quand ils vont entendre les explosions, je pense. Voilà, ça devrait exploser. Alors, il y en a une à moi qui est assez proche de l'entrée, au niveau des armes. Ah, le camion est enfonçant, là. Voilà. Alors, il va faire boum, parce que je pense que l'autre équipe a placé une mine par ici. Ouais, c'est ce qu'on a cru voir, mais pour l'instant, ça va. Est-ce qu'ils l'ont activé, la mine? Ah bah, moi, alors, ça va exploser, là. La mienne va exploser, là, normalement. Ah ouais, dans 3... 2, 1, ouais, voilà. J'ai au moins réussi ça. Voilà ma réussite de la mission, messieurs, dames. C'est pas mal, déjà t'avais quoi, 5 hommes à l'arrière quand même. Dommage que t'en aies qu'une seule parce que apparemment je vais te faire foirer sur le minage. Parce qu'en fait, oui, tu peux poser la mine, mais si tu penses pas à l'activer, c'est sûr. Ah bah, j'espère que le mec il sait le faire quand même, ça. Bah, il y a deux camions qui sont passés par là donc. Pas un super axe. Attends, mais ils auraient même pu utiliser le canon. Non mais je crois qu'ils ont tiré au canon mais sur le sur le mur. Ouais, je crois qu'ils sont fous avec le canon. Je recharge. Est-ce qu'il en reste en vie encore? C'est même pas dit. Ah, ça fait chier de pas la jouer cette mission, ah, putain. Ah, c'est... Ça arrive, ah, c'est chiant. Leur flanc droit arrive. Il y en a, il est dans le camion, il est déjà mort. À l'arrière. Même pas eu le temps de sortir. En même temps, la place la plus lointaine, c'est la place du mort. Allez, les autres commencent à investir. Ouais. Oh là, ils sont motivés, ils ont aucun couvert en hauteur. Oh la vache. Ils vont se prendre les tirs à A. Non, putain. Ah, elle est pas chargée là. Là. En même temps, ce serait tellement mortel, enfin, ils seraient foutus là. Pareil, il y a aussi une. C'est pas une MG ça? Oh, par contre. Merci Dranak de préciser que c'est ma mine. Après, par contre, ça va arriver parce que j'ai vu 3 ou 4 mecs. Ouais, ça me tire dessus. Faites gaffe. Leur champ droit est enfin. Ils ont pris des tirs, mais j'ai pas vu d'où. Ouais, c'est ça. Ils sont dans les arbres.
tiré au pif, les pauvres. Ah, c'est bon, ils les ont vus. Il y en a encore 3, hein. Putain. Vas-y, tire. C'est pas d'infanterie qui sont là. Attention, il arrive. Ah, c'est bien, c'est touché, attention. Je suis à terre, médic, blessé, je suis blessé. Putain, Sylvain qui est perturbé là. Je suis à terre, médic. C'est bon, t'es pas mort, même si tous ces gens sont fous. Il y a médic sur le. Je rentre à l'intérieur, attention, ça va. C'est con parce qu'à gueuler médic comme ça, il. Il se nie que là, lui et le médic, ouais, bien, donc deux gueules. Moi je vois plus personne. Dans des espaces clos comme ça, il y a souvent des choses bizarres qui se passent. Oh putain, mais il est invisible là pour eux. On that meta. Y'en a qui sont très calmes, des Allemands là près de la rivière. Aftrain qu'on approche. Ah cool! J'entendais bien un chenillé arriver. Ouais, ouais, exact. Ouais. Ouais. Allez, le canon Tichard là. Faut le moment de faire un coup au but. Ah, ah, il va peut-être tourner vers l'entrée principale. Ouais, je sais pas ce qu'il fout. Ils ont déposé un homme et puis. Ouais. Ah, l'horreur. Par contre, c'est pas mal, les gars s'exposent et peut tirer. Ça, je savais pas qu'il y avait ça. Allez, ok, il largue les mecs. Et il met par contre, il est parti vers l'entrée principale. Ça, Sylvain. Allez, faut pas. C'est comme ça, Sylvain. Ah. Il est aussi. Et tu reviens, Sylvain. Ah, salut, l'autre. Il y a un autre camion qui arrive. Salut, Nico. T'es mort comment? Je sais pas, j'étais tous entassés dans le bunker et je. Je prends une balle. Ça rend de la merde. Enfin, c'était horrible comme position. Bah, ça, oui, mais. C'était cool. Je vois le véhicule. Alors l'Alfrak, il y retourne peut-être. Ouch. Ouais, il tire c'est beaucoup en courte portée dans les cailloux avec leur canon. Par contre, le groupe d'assaut à l'intérieur bouge pas. Ah, le Alfrak va peut-être écraser les Allemands. Voilà. Trois morts. Ouais, s'ils avaient pété le half-track, c'est 4 points de plus. C'est la première fois que je vois des renforts arriver correctement dans une mission pour l'instant. Correctement? On a deux camions qui ont fait n'importe quoi, un half-track qui arrive pas à venir, qui a des relativement en mouvement. Mais faut reconnaître, Chin, que les deux camions qui ont fait n'importe quoi, pour nos amis, ça, ils sont arrivés correctement en fait. Oui, ça a juste temporisé. Nous, ça nous a fait rire sur le moment, mais. C'est quoi ce tas d'Allemands morts à l'arrière d'un camion? Bah c'est simple, l'AMG en face. Attends. Tu sors, il me. Non, ouais, l'AMG qui tirait sur le canon. Sur le. Ah, c'est moi. Ouais, bah t'as massacré tout le monde à la sortie du camion. Putain! Je les voyais même pas, y'a même pas de viseur sur cet AMG. Ah, oui, mais ça va. Tant que tu vas l'arriver. Parce qu'il y avait des mecs dans la forêt, mais. Il y avait. Ouais, s'ils sont morts. Ils sont barrés, je crois. Ouais, impossible. Ils y retournent, je pense d'ailleurs. Putain, mais le F-Track. Mais qu'est-ce qu'il fout, le F-Track? Où est-ce qu'il pourtant, est? Il est sur un moi, mais. Vu. Il va tellement les surprendre! C'est un peu bloqué, quoi! Groupe d'assaut, faudrait y aller, hein, je pense, pour aider vos copains. Hein, parce que. Ouais, ou alors faut qu'ils avancent pour qu'ils puissent. Ouais, pour qu'on tienne pas 50 minutes là-dedans, quoi! Bon, on manquait quand même que le commandement, ils sont barrés de la défense, hein! On a clairement été sacrifiés, là! Ouais, surtout moi. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de beau? Le second half-track, il fait quoi? Parce que je l'ai même pas vu. Je sais pas. Il s'est perdu quelque part, sûrement. Ah, bah il est coincé entre deux maisons. Ah, c'est non. Marrant ça. Ici, à la sortie du village. Allez, allez. Voilà. Non, mais sérieux.
Allez les mecs, on se bouge le cul et on fait un 90. Ah putain, les pauvres. C'est bien, t'as c'est un vrai que ça fait continue. C'est toujours de la peine de voir une image d'Arma en spectateur. Oui, mais c'est pour ça que quand tu fais une mission, faut jamais compter sur les IA. Si t'as un truc qui est... Genre, tu veux faire un convoi d'IA. C'est en gros, t'as les joueurs qui vont protéger un convoi. Ta mission est foutue d'avance. Ouais, faut que ce soit les joueurs qui conduisent, quoi. C'est ça. Pareil, si tu dois supposer qu'il y a... Enfin, la femme mission nous a fait un convoi qui va de entre trois villes. Un convoi de trois véhicules. Bah, une fois sur deux, t'as qu'un seul véhicule qui avance. Une fois sur trois, t'en as deux. Une fois... Et la troisième fois, t'en as un qui se retourne tout seul. Ok. Donc, J'étais tombé sur un post sur Reddit où le mec expliquait pourquoi l'IA d'Arma 3 était la meilleure IA qu'il avait jamais vue dans le jeu vidéo à l'heure actuelle. Non mais elle peut, être intelligente hein. Mais c'est les QRF en véhicule parfois c'est pas très fiable quoi, c'est ça. Bah c'est pas qu'elle est quand même conne, hein. Elle est pas intelligente. En fait, tu veux, il y a un très très bon truc, c'est que contrairement à beaucoup d'IA, ils ont une option qui est que quand ils te voient, ils comprennent pas que tu es là. Et t'as plein de trucs du genre de nuit, de machin, etc. Ils ont des vues beaucoup plus courtes. Et tant qu'il n'y a pas un seuil... Ouh, en fait, je suis mort. Nose de merde. Coucou Shin. Salut Totor. Et en fait, tant qu'ils ont passé ce seuil-là, l'IA ne constate pas qu'elle t'a vu. Donc forcément, si tu cours, elle te verra plus vite. Si t'es en plein jour, elle te verra plus vite, etc. Et ce genre de truc, c'est implémenté dans quasiment aucun autre jeu. Donc ça, c'est... Et voilà, mais donc ça fait que c'est quand même pas totalement con. Après, ouais, mais alors. Il y a quand même des circonstances où tu vois des IA, je sais pas pourquoi elles sont là, elles s'allongent, elles foutent rien. Bah après, le problème c'est qu'il faut aussi leur donner des ordres. Shin. Ouais. J'ai vérifié. Tu peux vérifier aussi. La mine de l'autre groupe, de l'autre sapeur là. Oui, qu'est-ce qui se passe ? Elle n'est pas armée. Elle est posée sur le truc. Il s'est pas armé, c'est pour ça. Vu que c'était pas pété, oui, j'ai bien compris. Et à quel niveau ? Ah, mais elle est belle, hein, on la voit bien. En même temps, c'est Bruno qui l'a mis, je crois. Il nous a dit qu'il savait poser les mines, donc apparemment non. Oui, posé n'est pas armé. Il l'a posé par terre, il s'est posé les mines. Que ? Elle est à quel niveau, la mine ? Elle est... Alors... Bah, tu prends le... Est-ce que je longe la route, là ? Ouais, tu longes la route et... Ah, ok, oui. Tu l'as vu ? En effet, de toute façon, tu peux pas la rater. Ouais. Je t'ai pas monté aussi haut. Ah, je suis triste, je suis mort comme une merde. Ouh, bon, t'as pas vu notre mort, hein. Space s'est pris un tir de canon anti-char en pleine gueule. Ouais, j'ai fait un double salto noté 5-6, 5-7, 5-8, je crois, par les spectateurs, donc... Et grâce à lui, Dranak a été gravement blessé et moi, je suis mort. Alors que s'il avait fait une esquive de 10 cm sur le côté, ouais. Il aurait survécu. Ouais, mais par contre, regarde l'entrée, regarde l'autre entrée du château là. T'as deux bunkers. Ouais. T'en as un avec un anti-char, l'autre avec une mitrailleuse et un mec à l'intérieur. Ouais, on sait, nous. On est bien au courant. Hein. On sait que c'est plus ou moins la même défense hein, que nous on s'est tapé. Tout à fait, tout à fait. Aïe. Sauf que là, votre MG elle était pas sous bloc aussi. C'est vrai, ouais, c'est vrai. La différence c'est le sniper en plus. Quoi. Le sniper m'a bien baisé moi. Mais t'as presque moins de troupes sur l'entrée principale que sur l'autre entrée. T'avais 3 hommes en plus de... On rejoint les copains en bas. Moi j'aime bien parce qu'à un moment on prend un sniper allemand, tu vois. Ouais. Parce que de l'autre côté, tuer de l'autre côté où il y a les deux A, c'est horrible. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas prendre le sniper allemand. Et je pense que j'aurais dû rendre à contre-ordre. Je pense qu'on va bientôt avoir un drame. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a un Allemand qui est en hauteur, qui va choper Tech ou Nemo ou Ben ou Bruno, je pense. Que j'ai traité ou les trois ? Ouais. En face, il fait ça. Je sais pas si ça. C'est triste. Mais c'est pas blanc. Après, t'as un mec qui est caché au bord de la rivière avec des jumelles là, qui regarde un peu de béton. Ah. Je pense qu'en fait, c'est des mecs qui sont les chauffeurs des camions, ça. Qui a fait cette carte ? Dans les crédits, c'est une idée de Goya, ça a été fait en grande partie par Dranak et le build a été. Enfin, le build, les bâtiments et objets ont été entièrement refaits par Sardo. Oh, c'est classe. Je suis un peu déçu de l'avoir vu la ville. Quel enculé. Ah, t'es mort, Sardo ? Ouais. Ah ouais, l'allemand là, putain. Il y a encore des survivants dans le. Dans une position ? Ah ouais, il y a Dranak et Blood qui sont à l'entrée. T'es mort où, Sardo ?
Je l'ai dit à Sylvain, je lui ai dit qu'il fallait pas y aller, mais... Bah c'est ce que je lui ai dit aussi, et je suis mort après. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Comment vous êtes mort? Je te vois en train de tirer, Dranek. Ah mais il y a Sylvain dans les pommes. Aïe aïe aïe. Putain mais je suis con, j'ai écouté Dranek en jeu, je pensais qu'il était mort. Oula, c'était pas loin, celui-là. Je me suis bien éclaté avec le canon. Alors, est-ce que mon mec en hauteur va choper Nemo? Ah bah, il était pas choquant, il a rien vu, mais il pourrait aller voir. Hein. Attention, attention, Nemo, si t'as un. Il s'est enfin camouflé, Nemo, par rapport à lui. Et Sardo, t'as vu au niveau des camions là où on a tiré pendant la première vague d'attaque? Ouais. Tu vois les tas d'hommes les uns sur les autres? Ouais, mais je pense que c'est moi qui ai fait un tir de canon qui a fait mal. Non, je crois que c'est la MG, c'est ce que je sais. Bon, faut apprendre à Bruno à armer une mine. Il est pas donné. Ouais, monsieur, ah, non, non, la prochaine fois, ouais, il faut qu'on lui demande, clairement, est-ce que tu sais armer une mine? J'en ai pris une belle. Ah, ça va, ça va. Je lance une frag. En même temps, il est toujours vivant, Bruno. Vas-y. Lui. Ouais, mais. Attends, en même temps. Là, la mission suicide qu'on s'est tapé, nous, avec Sylva. Moi, ce qu'il faudrait demander à Bruno, c'est est-ce que tu sais armer une mine? Parce que là. Il l'a pas fait, ce truc. On a compris, Toto, on a compris. Non! Tu veux dire qu'il a pas armé sa mine? Quoi? C'est bon, oh non! Non! Ah non, attends, il y en a un qui a survécu. Attends, mais il y a un mec juste en haut là. Le problème, c'est que Tech est en train d'avancer. Ouais. Il va être visible à l'entrée principale, voilà, c'est le cas. Ah, au revoir, Tech. Au revoir, voilà. Au revoir, Nemo. Au revoir, Tech. Ah non, Tech. Putain, il survit, Tech. Putain, bien joué, Tech. Tu sais que Tech s'est fait. Ah, mais il est juste au-dessus. Oh là là. Il est juste au-dessus. Oh, mais il a fait deux chargeurs, le mec. C'est moi qui l'ai posé, celui-là. Et où est-ce qu'il tire, le mec, l'allemand? Dans la poutre. Ah ouais, putain. Contre la cible. Ah bah vas-y, avance, allez, ça, allez, ça va être allez. Pour toi là. Ah non, ah non, oui, ah oui, bravo. 3 chargeurs et demi, Tech. 3 chargeurs et demi. Et la moitié dans la poutre. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as un mec en hauteur. Il tirait dans une poutre à la place de toi, personne n'a vu encore. Ah bah ça va. Mais en tout cas, je suis content, putain, j'ai tué au moins 6-7 mecs, je suis refait. J'ai fait ma partie là. Ouais, mais t'es mort. Ouais, mais c'est pas grave, je suis content quand même. L'important, alors, c'est qu'on s'est bien amusé. Le prochain qui va vers l'entrée principale, il va aussi avoir droit, je pense. Hein. Ah ouais, mais il m'a tué où? Il était au-dessus. Sur le tuyau. Sur l'espèce de château d'eau. En haut des escaliers. Il est passé en dessous de lui, en fait, quasiment. Ah ouais. Il est passé plusieurs fois à côté de lui, mais il a rien vu. Pourquoi tu vas dans l'entrée principale? C'est personne sur le principal. Non, mais quand un des mecs en vert là va aller encore vers l'entrée principale, le mec, l'allemand, va aller tuer. Il va faire la même chose, oui. Ah oui, d'accord, c'est sûr. Il y a potentiellement toute l'équipe qui va mourir. Attention, tu c'est as Bruno. Tu as mis deux chargeurs parce qu'il a plus beaucoup de balles là. Ils ont 20 chargeurs les mecs, Chine. Je sais pas, mais. Non, non, non. Ah si, si, non, non. Les Allemands, ils ont 20 chargeurs, j'ai fouillé un mot. Non, non, celui que j'ai posé moi, il a pas 20 chargeurs, ça c'est ah, sûr. Ah d'accord. Ceux à l'entrée de... que nous on a tué, ils en avaient 20. Ah, non, ils le voient pas. Et personne n'a entendu d'où ça tirait? Parce que. T'as Ben qui cherche quand même côté. Dans l'axe, mais bon, il risque pas de le trouver. Attention, Ben va passer en dessous. Attention! Ah, il est trop bas. Ouais. Mais là, moi, c'est Bruno qui me fait peur là. Mais ouais, Bruno, ouais. Bruno. Attention. Mais y a la smoke. Merci la smoke. Si tu t'approches de Tech, réfléchissez les mecs, si vous approchez de Tech. Ah, mais Sylvain est encore en vie? Bien sûr, ouais. Oui. Ah, ouais. Hey, comment t'as fait pour. C'est Totor, comment t'as fait pour mourir? On a perdu Sardo, il est déjà. Bah, en fait, le moment où la smoke s'en va là, t'avais un mec de l'autre côté. Et qui m'a tué en fait. Celui qui était dans la petite tour blanche? Non. Attention, dès que la fumée va c'est. C'est pas beau ça. Attention. Derrière le. Putain, le mais c'est hyper drôle comme activité. Ah, regardez les gens mourir. C'est la première fois que tu meurs en mission. C'est Nemo. Non, c'est la deuxième fois, mais tu sais, je reste pas longtemps. D'ailleurs, Tech, un conseil. Non, c'est génial. Quand t'as des mecs qui ouvrent devant toi, qui sont déjà deux à ouvrir, n'ouvre pas derrière eux. Tu risques plus de faire un TK comme t'as fait faire à Nemo que qu'autre chose. Attention, y'a plus de fumigène. Ça va tirer bientôt. Non, qu'est-ce qu'il fout? Il décide de pas regarder. Par raison. Ah, mais il peut pas le voir, puisqu'en fait, y'a
Ah si, c'est si, si, là il peut. C'est bon, c'est parti. Il voit Goya, mais il tient son Bruno. Logique. Il a eu Goya. Non, non, Goya, d'accord. Oui. Ah non. Toi. Non, il est là, Goya. Je te couvre. C'est, ah, ah, ah. C'est Ben qui se sent. Putain, ça passe vraiment très proche de Goya là. C'est bon, Ben. Ouais, 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 je suis toujours en vie. Jay. Il vaut mieux qu'il fasse le tour. Hein. Ouais, le problème c'est qu'il y a un tireur aussi au niveau de la porte. Goya, au niveau, de l'axe. Au niveau des camions, il va bien. Ah, ok. Même. Ok, je te soigne. Ouais, je bouge plus. Oh, ce massacre. Il y a encore du fantassin allemand, et donc il vient d'être traité à, la sorte, à l'entrée. Hein. Ouais, ouais, il y en a plein, t'as vu tous les corps. Ouais. On a fait un carnage à l'entrée. Ah ouais, on s'est amusé, hein. Ah, et le canon, j'étais foutu de ses tirs au milieu là, putain. J'ai vidé les 4 chargeurs, je prenais mieux. Ah, Totor, je viens de te voir. Hein. Quoi? Je viens de voir ton cadavre. Ah oui, t'inquiète. Il vient de te piétiner. Ah zut. Aucun remords. Eh ben, peut-être qu'il va mourir. Pourquoi? Parce que je suis mort d'ici. Là où ouais, il est, c'est là où. Normalement, la plupart des tireurs ont été traités ici. Ils sont pas, manœuvrés la vanne encore. Hein. Non. Pourquoi tu dis des renforts prévus, ce mois? Ah, c'est le mec au-dessus. Parce que pour info, Sarno, il y a un. Le second half-track s'est bloqué entre deux bâtiments, c'est dommage. C'est peine que je suis en ville. Ouais, ouais. À la sortie de la ville. Et les deux camions, les deux premiers. Mais on fait n'importe quoi. Les renforts, c'est Dranac, c'est pas moi. Moi je trouve qu'ils ont bien marché quand même. Ah bah, ouais, nous, c'était impressionnant. En apparence, mais le second half-track, il est toujours pas là. Donc, et le premier, il a fait des tours sur lui-même. Et les deux camions, ils se sont tapés 4-5 fois avant d'arriver à prendre la route en fait. Le premier half-track, il s'est arrêté, il a posé le premier mec, il est reparti en mouvement. Et il a largué les mecs en mouvement. Et il n'est jamais venu vers les joueurs, il a tourné en rond comme un con. Mais vu du sol, ça faisait un bel assaut pourtant. Hein. Putain, je te dis pas. Ah ouais, c'était. Je te dis, je vous ai dit, putain, les renforts marchent bien quoi, une fois. En fait, non, tu passes en vue spectateur et tu vas faire n'importe quoi. Donc t'as entendu. Oh ouais, mais quand tu es. Mais quand tu es. Ça tire de partout. Par contre, le mec dans cette guérite, pour le trouver là, ça va être compliqué. Hein. Non, ils vont le voir. Aïe aïe aïe. Ah le sniper. Oh, putain. Ah putain de merde. Ça va Jay? Coucou Jay. comment t'as rejoint tes potes parce que... Je crois que c'est lui qui est en fait. Comment j'ai rejoint mes potes? Ouais, c'est... Disons qu'il savait qu'il y avait un tireur sur l'axe, mais... Ils t'ont laissé... Putain Jay, pourquoi t'as fait ça? Ah mais vite ils sont bien là, d'accord. T'es mort où Jay? Avec Bruno. Bah là, sur la position des alliés. Mais qui c'est qui m'a tiré dessus là? Tu vois la maison toi rouge orange là? Ouais, le drapeau. Ouais. T'as une petite guérite avec un mec qui tient la qui la tient. Ah c'est lui. Hein? Je vois pas du tout. Et au rez-de-chaussée dans la guérite. Le Alstra qui s'est débloqué au village. Hein. Je sais pas où il est parti mais il s'est débloqué. Non non il est toujours à son poste. Bah non, entre les deux maisons là, il était là. Ah, entre les deux maisons que tu parles. Il est juste enculé d'officier. Oh, il est parti. Ah, il s'est barré. Ouais, il est mort. L'officier, vous avez tué l'officier? Ah non, 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 il est. Non. Celui de la pente, il est toujours là par contre. Non, non, il est toujours en vie, l'officier. Ouais, ton Alstrak, je sais pas où il est parti. Bah, moi j'ai deux Alstrak au niveau du pont, ça doit être celui-là, non? Oui, oui, il arrive au niveau du pont. Il a largué ses hommes, mais il s'est bloqué au niveau du pont, ce con. L'officier, il est en vie. Ah oui, t'as raison. Ah oui, il est en vie. Ouais. Par vous avez vu le petit bureau que j'ai fait? Sympa. Hein. Oh, très vite fait. Et les scientifiques qui sont dans l'autre baraque. Et il y a que 50% de pertes pour l'instant. Putain, on avait tellement bien géré, quoi. Côté Juliette, il reste 3 personnes au lieu de 7. Côté Sierra, il reste 3 personnes au lieu de 7. Et côté commandement, il reste une personne au lieu de 3. Au lieu de 2. Ou 3. Ouais, on va dire 60% de pertes. Non, non. Il est où l'officier? Dans la l'officier, maison. Il est dans la petite maison à l'entrée. Principale. Entrée du bas.
Oui, t'as 2/3 de perte. Ça va, c'est honnête. Ah oui, ouais. Du coup, ouais, très bien ton décor, Sardo. Ouais, je suis en train de regarder, c'est mieux décoré que ma chambre, quoi. Vous avez pris cher, alors, du coup À l'entrée, on a pris cher. Hein. Ouais, à l'entrée. Alors, déjà, c'est nous qui avons attaqué, lancé l'assaut, donc là, on a déjà pris cher. Et après, à la défense, on a pris cher aussi, quoi. Bah, le mec de la guérite, il va faire un massacre. Tu voulais prendre ma place, Blot? Alors, là, non, vous, les gars, vous m'écoutez? Ouais. J'écoute. Là, le cas de figure que vous voyez là, c'est-à-dire que les trois sont bloqués derrière le truc. Et ils savent que le tir vient de la guérite, hein, enfin de ce côté-là, ils voient pas. Fumi. Mais, et Fumi, ouais, s'ils veulent, mais ils s'entêtent à vouloir repasser devant. Ah oui, tu comptes, bien sûr. Et ils vont passer, ils vont y passer tous les trois. Vous avez toujours les charges. Parce que pour le coup, t'as mis sur l'égoïsier, qui c'est qui a mis sur eux. Est-ce que... Pourquoi ils passent pas par le côté haut et ils remontent après, quoi? Bah voilà, par exemple. Faut pas trop peur, hein. On en a besoin pour les camions. Oh, 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 oh. Oh la vache. Ils se réveillent enfin, tu vois. Là, ils sont pris entre deux feux. Ouais. J'ai trop. Il y a le mec à la petite voiture, à la Volkswagen avec le MP40. Il y a du monde sur ce putain de bunker. Je te soigne. Vas-y. Ils ont toujours pas pété les camions. Et il y a un mec dans le bunker, il y a un radio. Je sais même pas s'ils ont pensé à récupérer mes charges, en fait. Ah oui. Ça c'est de la radio, ça. Là, t'avais une radio comme ça sur un silo. C'est Gaïa les renforts ou non? C'est tout est scripté? Les renforts, c'est dans l'ac. Ok. Vous avez pas utilisé Gaïa pour la mission? Je me souviens pas. Non, mais bon, vu les rafales tirées depuis la ville. C'était bon ça. Ah putain. Parce que là, ils sont coincés les gars là. Je pense que c'est le canon anti-char qui a donné d'être qu'à dire. C'est ici qu'il faut tirer. Je pense que là, la meilleure chose à faire, c'est de s'enfuir par la mer. Moi, j'ai pris deux tirs du canon anti-char. J'ai roulé côté gauche. Et j'ai tellement roulé qu'après j'ai pris des tirs d'en bas de l'entrée. Ouais, par là, nickel. Je savais pas quoi faire. Je sais pas comment je suis. Je vais essayer de le choper avec le long fusil, ça devrait le faire. Je sais pas comment j'ai réussi à survivre à ça. Ah, ils partent vers l'entrée principale. C'est plus malin. Qu'est-ce qui se passe à l'entrée secondaire? À l'entrée, ça shoot, je sais pas quoi. Ils ont tiré sur la fantasme, inquiétez de vous, qui viennent de buter. Ok. Ah, mais ils ont bougé, ils ont été sur la colline. Ouais, là, okay. Ouais, je pense que tout le monde est mort. Qu'est-ce que tu fous là, Sardo? Bon. Bah, on va aller. Moi, je suis mort. Ouais, mais non, mais je veux dire, pourquoi ils t'ont envoyé là? Parce qu'avec Sylvain, il voulait aller détruire le chenille qui est coincé contre les cailloux. Je lui ai dit non, mais il m'a dit, allez, viens, on y va. Parce qu'on savait pas où il était, on savait pas ce qu'il faisait. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils s'approchaient d'un axe qui n'était pas du tout traité, qui était plutôt clair, ça c'était suicidaire. Bah c'est Sylvain, il voulait faire ça, moi je le suis, c'est le chef. Ouais bah en même temps j'ai aussi dit non, puis je l'ai quand même fait, puis je suis mort donc... Ah mais ils ont réussi à traiter le mec en haut là? Ah oui, le mec en haut, mais oui. Ça fait 45 minutes. Ah je sais pas. Pourquoi ils partent en fait? Bah je pense qu'ils vont chercher l'officier, non? Bah là on dirait qu'ils vont plus passer par le... Par la rivière, bon. Je sais pas. Putain, bien joué. Okay. Ils ont tué le mec du bunker, je pense. Là. Ouais, ils ont tué l'opérateur. C'est vu le nombre de pertes là. Allez, faut choper ce putain de bâtiment là avec le toit rouge. Mais ils auraient pu faire péter les camions, ils sont passés devant. Attention à passer à l'entrée. Ils sont dû les miner déjà. On y va. Je peux bouger. Regarde, je cherche des charges. C'est pas dit, mais tu précisais que si tu veux aller derrière, je vais galérer avec les terres. Tant que ça bougeait pas, ils s'en foutaient. Ouais, avec les. Eh ben, je vois pas de charge. Allez, il faut avancer, là, on prend des balles. Non, c'est pas ça qu'il y avait écrit. Il y avait écrit c'est l'objectif prioritaire. Non. Et donc là, si vous abandonnez tout pour péter. Calme-toi. Je te dis, le fils de notre leader, le Mystery qui a dit ça, il a été très clair sur le fait que tant que ça bouge pas. Oh là là, Sylvain Dranac, vous allez mourir si vous allez par là. Il avait bien écrit que c'était ça l'objectif principal. Oui, c'est pour ça que si ça bouge, c'est prioritaire. Attention, est-ce qu'il. Sylvain Dranac va mourir. Qu'est-ce qu'ils font? Bah ils vont à l'entrée principale, jonction. La jonction sûrement, hein, mais non. Vas-y. Bam. Allez, ah, ils ont eu le mec du Mirador déjà. Attention, la mitrailleuse, la MG. Les alliés de l'autre côté, derrière la le... MG, elle bouge pas. Les alliés derrière. Elle est en vision. Ah, y'a la MG en bas. Ouais. Ah, ils l'ont eu. Bien joué. Bravo.
On aurait dû faire ça depuis le début. Attention, Dranak, attention, attention. Non, parce qu'il y a un canon AT. Il y avait un canon AT là où on a attaqué aussi. Hein. Ouais, mais. Attention, le canon AT, il va tirer, je pense. Il a tourné, c'est bon, il est prêt. Manœuvre, hein. Il y a surtout le sniper dans la guérite. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Ah là là, il peut pas lever le canon plus que ça. Rip, Dranak. Dégagez, les mecs, dégagez. Ouais, mais dégagez, Dranak et Sylvain. Là. Qu'est-ce que je me suis fait chier avec les routes? Non, pas par là. Ouais, c'est clair, ça se voit. Mais l'entrée secrète avec la route en évidence dessus, je la trouve pas super secrète. Non, celle-là, elle est existante, celle-là. Oui, officiellement, il est pas serein dans la pièce. Je connais le tunnel, mais c'est vrai que le... Ah, ils vont peut-être aller tuer l'officiel. C'est vrai que je comprends pas l'intérêt de l'entrée secrète à 20 mètres de l'entrée principale. C'est ça. D'un point de vue... Bon, tac. On va se remettre sur... Le mec tourne sauver l'escalier, je l'ai battu, genre... Ah, Ok, Goya et Bruno, vous rentrez dans le bâtiment, vous me trouvez l'officier. T'es pas censé savoir s'il y a une entrée secrète, ça peut être un tunnel qui va ailleurs. Je suis... Mets-toi debout, je crois. On va finir avec l'entrée secrète. Voilà, ça va faire un cœur Ouais, je suis là. Non, mais je parle de... Au départ, alors, est-ce qu'ils vont bien Bruno et Goyaka, l'officier sans avoir de blessé? C'est rapide. Bah disons qu'en mettant un tir à verrou en devant. Ok, mets-toi de l'autre côté de la porte. Payé chaud l'officier. Hein. Il a un Luger. Goya est super motivé. Hein. Par contre, ça va s'ouvrir. Ah. Mets-toi, non, un peu, mets-toi un peu sur le côté. Ils voilà. Ont aucune arme automatique pour entrer. Oh, je suis mort. C'est vrai, mec. Okay, oh, attention, clear. Comment je suis mort? Je sais pas. Canon t-shirt à eu, non? Gauche, une radio. Ah. C'est un petit. Ils ont eu l'officier, joli. Bien joli. Je rentre. Parce qu'il tirait effectivement, il arrivait pas à lever son canon assez, l'anti-char, mais. Sérieusement, il a explosé le char là. Sardo, ça manque de salle de bain. Hein. Ok, parfait. Sylvain, t'es mort aussi? Ok, on redescend. Non, Sylvain est pas encore mort. Non, Sylvain est pas mort. Ah non. Sylvain, il se balade. Dranak est mort? Oui. Ah, bienvenue, Dranak. Comment t'es mort? Ah, j'étais dans un sapin. Sylvain a tiré sur le. Le half-track. Et je sais pas, j'ai entendu un peu. Et je suis mort. T'as peut-être pris un débris. Il a explosé le half-track. Peut-être, ouais. Enfin, c'était rapide, hein. J'ai rien compris. Ouais, half-track a explosé. Peut-être qu'il a fait un backblast, pas dit. Non, il était sur le côté droit. Il reste que le leader en fait de la deuxième équipe. C'est ça. Non, il y a Guts aussi qui est dans le canon t-shirt, toujours dans le bunker. Ah oui, il y a Guts. Ouais, mais t'inquiète pas, il bouge pas mal, tout ça. Vérifier que c'est bien raison. Le mec. Mais c'est vraiment cette mort quoi. Après, on a vécu des aventures super cool. Dranak. Ouais. Les renforts, il y a eu des petits soucis de collision. Hein. Les deux camions ensemble, ils ont fait plusieurs collisions avant d'arriver à prendre la route. Le second half-track n'est jamais arrivé. Le second half-track est jamais arrivé, bloqué. Voilà. Il a quand même déposé ses mecs à bout d'un moment. Ah oui, d'accord, il est là. D'accord. En fait, c'est bloqué côté ouest de la ville, entre deux bâtiments. Je suis passé là tout à l'heure, mais c'était pas super. Ouais. Alors, on a un mec sur l'est. Ouais, bah c'est le comportement IA. Qu'est-ce que je vous dis? Je veux pas non plus reconnaître le comportement IA. On est d'accord. S'il fait Ben. Par contre, le fait que les Atrak ont engagé votre position, c'était voulu ou pas? Oui et non, mais vu que la garnison est renseignée dans le briefing, comme quoi, bah pour moi, oui, c'est cohérent, je trouve. Ok. Je pense que c'est le coup du canon t-shirt. Puis du coup, c'est pas ce qui nous a causé la perte. Qu'est-ce qu'il essaye de faire? Bah, notre défense était super cool, nous, par contre. Hein. Comme je disais tout à l'heure, quand tu regardes dans l'éditeur, les renforts font un peu n'importe quoi. Mais en vrai, on s'en est même pas du tout rendu compte. Quoi. Il y a eu une vraie vague d'assaut. Ah, bah, c'est sûr, quand tu es en spectateur, oui, tu vois un peu les côtés un petit peu. Les côtés mauvais du comportement de l'IA, c'est sûr. Mais nous, dans le tas, putain, c'était ouf. Par contre, si tu veux sourire, Dranak, tu vas vers la route, vers la ville, et tu verras une mine posée sur la route, mais pas armée. Ah, bah voilà, ça c'est quand les gens ils savent pas armer les mines. C'est ça, hein, que je vous dis. Ça. Qu'est-ce qu'il fait, Ben? Quand on engage des spécialistes démolisseurs, mais qu'ils font pas, ils font mal leur taf, hein. Voilà ce qui arrive. Des morts. Les renforts ils arrivent, quoi. Ouais. Là, je pense que c'est la jonction avec Sylvain et Guts.
Il va prendre son temps. Son pied. Surtout, attendez, chut. Bon, je reviens, je vais pisser. Tu restes le plus en arrière possible. Ils vont essayer d'aller. C'est Goya qui tente d'y aller. Ok. Goya, l'objectif, c'est de faire l'action et après on se tire. Et attends. Bruno, dès qu'on. Enfin, si je meurs avant, vous faites sauter. Ils vont essayer d'aller manœuvrer la vanne. Ok. Bien reçu. Ah, est-ce qu'ils vont encore se prendre le tir du mec? C'est ça. C'est ça. Ouais. Non, ils sont cons parce qu'ils feraient le tour de par la barre. Mystery. Non, il y va. Le mec le regarde pas. Il regarde pas le. Ça va, il regarde pas. Il va y arriver. Ah si, ça y est, c'est bon. Oh, il s'est fait toucher. J'en ai pris une dans l'épaule. Manœuvre la vanne, manœuvre la vanne. Je crois qu'il a touché le mec en face. Mais il l'a non, touché. Non. Il va contourner par l'arrière. Ah ouais, il y a longtemps qu'il faut qu'ils évitent cette route. Hein, et pour à l'entrée prendre. Du bâtiment. Elle est passée derrière là. Oh ah ouais, mais je suis deck parce que j'ai fait l'action verrouille le truc et ça a pas marché. Ah, c'est pour ça que t'es resté un petit moment. Bah ouais, je fais l'action et je me suis dit, il y a un temps d'action, autre chose. Bon, pour je info, sais pas. Je pense que c'était beaucoup trop loin pour t'entendre quand tu auras gueulé. On dirait que tu te soignais en fait. Mais après, je me suis soigné parce que j'ai cru qu'ils avaient battu le mec, mais non. Putain, j'aurais dû le tuer en passant en fait. Non, ils peuvent pas la battre, ils le voient pas. Ouais, non, j'aurais dû le tuer en passant, je l'ai vu, j'ai été con. Ah, tu l'as vu ? Ouais, j'ai en passant sur la route, j'ai regardé à droite, j'ai vu le mec. Pourquoi il contourne pas le bâtiment ? C'est vrai que quand t'as traversé, il te regardait pas, mais c'est après, il t'a vu. Et je me suis dit, tant pis, je passe, je serai couvert derrière les poteaux. Et je peux dire qu'il vous a allumé longtemps, parce que chaque fois que vous étiez autour de cette route, il vous allumait le mec. Il est où, Dranak ? Dranak ! Après, si quand on tourne Sardo, il y a des mecs dans un petit bunker aussi. Hein, elle marche pas ta valve. Comment ça, elle marche pas la valve? Mais j'ai l'action molette, j'appuie dessus, il se passe rien. Oui, parce qu'il y a. Putain. Oui, parce qu'il faut laisser. À la guérite. Quand t'as fait l'activation, il faut laisser 10 minutes le temps que l'usine se mette en surpression, quoi. Ah, mais faut que tu fasses un retour pour que le joueur sache que c'est bon. C'est-à-dire que l'action, il est toujours, en fait. Oui, bah après, voilà, du moment que t'as fait l'action, attends, c'est tout. Ah, d'accord, ok. Ah, si, oh, bah écoutez, je rajouterai un hint, voilà, tout ce que le monde... Non, ou supprime l'action. Ouais, je supprime l'action, bon. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, tu fais le clic, et il y a littéralement rien qui se passe. Ah, bah, et tu refais le volet, et tu vois l'action qui tourne. J'avais pas vu la déco intérieure avec les posters. Désolé, j'ai pas pu créer l'animation de la valve qui tourne. Ah non, mais ça, je m'en doutais bien, mais je me suis dit, enfin... Oui, je ferai un hint, c'est plus, voilà, je ferai... vous non, avez tourné la valve, bravo, monsieur. Je pense juste, t'enlèves l'action. Tu vois, t'enlèves l'action, c'est ce que je disais sur le 60% de perte tout à l'heure. Mais du coup, tu l'as fait, donc ça va te poper, donc c'est très bien. Ouais, j'espère que Bruno il va comprendre que c'est le moment de se barrer. Cet enfoiré. Vous avez pas détruit les camions ? Eh oui, t'es pas dans la guérite le truc. Ouais, mais j'ai vu en passant. Et ils passaient devant le canon t-shirt. Au bord de la rivière. Non, il est dans la guérite celui qui t'a tué. Vous avez pu piéger les camions ? Ah oui. Bruno les a piégés. Ah, donc là, la réussite de la mission ne tient que plus qu'à Bruno, quoi. Celui qui a posé la mine d'avant. celui qui a posé les charges, il y a que lui qui a le détonateur. Quoi. Après, ce qui est inquiétant, c'est que j'aurais dû lui donner l'ordre de se barrer en fait, avant de mourir. Est-ce qu'il va être assez intelligent? Il va peut-être prendre un camion et partir avec. C'est pas l'intelligence, hein, c'est juste. Non, mais non, j'ai une question. C'est lui qui a mis les mines sur Oui. Non, une seule, hein. La deuxième, c'est moi, la marche la mienne. Non, mais les explosifs sur le véhicule. Oui, après, tu sais, s'ils veulent voir vite fait, hein, s'ils peuvent faire péter ou pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se barre. C'est bon. Yes ! Allez, vas-y, fuis. T'as raison, t'es tout seul. Ah, il va faire exploser. Non, il va faire exploser derrière le camion. En fait, ce qui m'inquiète, c'est que là, je pense que l'usine qui va péter, ça va faire un boom énorme. Oui, il va crever avec, là. Écoute, c'est un soldat honorable. Ah non, il fait tout le tour pour voir s'il peut trouver le tireur. Ah, j'ai cru que c'était il faisait exploser. C'est plutôt traité. Malin. C'est ce que vous auriez dû faire du coup. Il y a un mec dans le bunker en face de lui. Hein. PD là, putain. Ouais, c'est lui. PD. Putain, comme il est placé. Attention. Ah, c'est dommage. Tu devrais faire exploser maintenant, moi, je pense. Oh non. Regardez Bruno sur. Ah putain, la vache. Tout sur Bruno, les gars. Ah, c'est bon. Il l'a vu. C'est bon.
Alors, j'ai vu pire tout à l'heure, il y a un mec qui a tiré 3 coups à moins de 4 mètres qui est... avant de toucher. Ah, il a eu le bon réflexe, il a fait ah, de l'autre côté. Ah, il est passé de l'autre côté, joli. Il a boum dans le coccyx. Voilà. Ah, ouais, il a détruit le truc en plus. C'est bien beau. Dans la zone non sécurisée. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est un peu chaud, ouais. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Ah, ce qu'on aurait dû faire, Mystery. Bien sûr. Mais... prendre des risques. Il mais fait ce qu'il faut pas faire. Il couvre pas ses axes. Ah. Mais par contre, il y a le mec qui est au-dessus de lui, là. Ouais, ouais mais il va pas le voir. Bah non. On l'a jamais vu, ce mec. Sinon, ah, sinon une question Ah mais du coup ah mais là où on était en fait il y avait un mec il y avait toujours un mec dans la guérite. Oui. c'est lui qui a battu tout le monde. Il a battu Jay, il a battu Mystery, il m'a battu. Non, je parle sur l'entrée principale. Ah oui. Mais au moment où on passe, moi je regarde à droite et je vois un Allemand qui me fait dos. Oh putain, je continue de courir. Je cours d'entrée. Non, je suis. C'est excellent. Sinon, ma question c'est par ceux qui ont fait déjà l'ancienne mission, au niveau de la refonte et du mobile. Éteinte la roue, Bruno. C'est vachement bien amélioré, hein, bravo. Bah, surtout les renforts qui arrivent derrière, quoi. C'est. Ouais. Non, c'est super. Elle est super cette mission. Vraiment, j'enrage de pas l'avoir. En tout cas, le build que vous voyez actuellement, faut remercier Sardo pour le travail qui a été effectué parce que. Ouais, juste, je ferai juste une petite remarque. Je trouve dommage que l'entrée soi-disant plus discrète soit aussi bien défendue que l'entrée principale. C'est la seule remarque que je fais. Visible aussi. Je vais passer devant. Là. Mais voilà, à part ça, c'est super. Hein. Bah, moi, je dirais à Sardo de mettre des salles de. Mais ça, tout simplement, vous pouvez changer dans le briefing à place d'entrée secrète, vous mettez entrée secondaire et il n'y aura plus aucun problème. Il est mort. Et peut-être pas mettre autant de défense. C'est bon. Enfin, vas-y, tu peux rentrer. C'est je sais pas. La MG, je pense qu'elle est. On l'a pris avec quasiment pas de perte. Hein. Il y a eu un petit problème en termes des. Nous, l'assaut, on a eu une seule perte. Ou alors, rajoutez dans le briefing que l'entrée principale est très bien défendue. Les gars, ouais. Historiquement, c'était pire que ça. Ah oui. En même temps, on a fait de la merde. Concrètement, là. Ah, tu veux dire le résultat de la mission? Non. Il y a eu plusieurs missions, plusieurs tentatives. Mais ils étaient très très nombreux les Allemands à protéger cet endroit. Quoi? C'était quoi? Les camions? Les camions. Ouais, explosé les camions. Ah, il y en a des camions. Oh, voilà. Non, c'est vrai. Bah, n'empêche que, mine de rien, si on crève tous, bah c'est quand même une réussite. Hein, parce ouais, moi ouais. Je note réussite sur Mais il manque un camion, non? Non, ils sont détruits. Ils sont détruits, là le valve a été adressé. Il n'y a que les scientifiques qui n'ont pas été tués. Là, il n'y a plus que 10 minutes à attendre que toutes les unes pètent et puis... Ils ont été tués, les scientifiques. Et puis vive le spectacle, j'ai envie de vous dire. L'officier a été traité, mais pas les scientifiques. Ah, moi, on m'a donné que les deux scientifiques avaient été abattus. Hein. Non, j'en ai... Les deux scientifiques ne sont pas abattus. Ils sont dans l'autre maison, Bruno a tué le mec dans la guillette. Oh les gars. Qui t'a dit que c'était moi? Sierra. Juliette. Ils m'ont dit on en a tué un quand ils sont rentrés dans la base et après ils m'ont dit on en a tué un qui traversait la route. Et on en a tué. On en a Bruno tué est mort. Un, Comment il est mort, pas mort? Il est vivant. Non, il est vivant. Il est vivant. Je vois pas moi. Il est Bruno quelque part? Oui, Bruno il est dans l'entrée secrète. Ah autant pour moi. C'est l'interface à gauche, tu peux cliquer sur le. Ouais, exact. Non, Bruno il rentre. Il va dans le tunnel là. J'aime bien Sylvain et Guts qui... C'est qui fait de l'écho? C'est Sardo, mais il a le coupé. Moi? Ouais, tu fais de l'écho pour l'instant. Ah bon? Putain, il a fait sa partie, Bruno. Mis à part sa mine. J'aime bien Bruno, il part dans l'entrée secrète. Et là, t'as Sylvain et Guts qui commencent à rentrer, tu vois. Bah, je pense qu'il y a plus de radio, hein, donc... Il a pas de radio, ouais. Mais ils auraient jamais dû être là, en fait. Pourquoi ils ont des armes allemandes? Parce qu'il devait plus avoir de balles. Ah! Ils ont qu'il y a méchamment cool. Tiré. Et je crois que Bruno n'a pas de radio pour communiquer. Non, il a pas de radio. C'est bon, non, c'est pour ça qu'il. Et Ben non plus. C'est bon, et Ben non plus. Mais Sylvain et Guts, ils auraient jamais dû être là en fait. excusez-moi, mais qui c'est qui se balle? Ah, c'est Ben, d'accord. Ben et Guts. Bruno il est pas bien, il a perdu tout le monde, il dit putain qu'est-ce que je fais tout seul. Ben avec sa jambe cassée. Peut-être, ouais par contre courir en... Ah c'est, il est... J'ai entendu je crois. Ah il y a une death aussi qui a été entendue. Qu'est-ce que t'appelles une death? Je sais pas, j'entends le bruit d'une... quand t'allumes une death.
Non, DS. Une notification quoi, ok. Je sens bien le T4 dernière minute, moi. Pas sûr. J'ai loupé quoi ? Plein de trucs épiques. Putain. Le Bruno Show. Attention. Combien de temps il reste, Chin ? Salut les gars. Allez. Jonction. Parti pour le spectacle. Bruno, il y a deux. Enfin, un spectacle. Vous attendez pas un truc énorme aussi. J'espère qu'ils vont pas couper. On va faire péter de l'eau lourde. J'espère que ça va péter fort, en vrai. C'est pas. Je t'ai pas encagé comme de la pyrotechnique. Non, non, l'eau lourde. L'eau lourde, c'est inerte. C'est inerte, l'eau lourde. 175 kilos de l'eau lourde était dans les camions. Ah, ça explose. Ouais, nous on est. Ils se mettent à couvert. Ah, les deux usines, putain. Ah, ça a chauffé. Sympa. Super manac. Très bien. Bien joué. Les gars, pour information, vu qu'il y a eu deux ou trois interactions sur le bouton, il est possible que ça pète encore d'ici 30 secondes. Ah, mais c'est pour ça que c'est génial. Je vais le laisser. Bah là, ça se trouve, il y en a déjà deux de moins, hein, parce que moi j'ai appuyé en folle. Et Bruno a aussi appuyé, donc ça peut encore péter dans une minute ou deux minutes. Oh, c'est génial. Je laisse. C'est normal, c'est des contre-explosions. Voilà, non, mais je rajoutais un hint à la con, c'est pas grand chose. Non, on supprime l'action. Oui, mais faut récupérer la vie de l'action et de retenir. Quand tu fais une action, ça se met dedans en fait. Ouais, mais là, je crois que Bruno et Ben ils veulent aller encore. Si... Enfin, faut que je Goya le faire. Ouais. Ça te va là? Ah, moi j'ai. Ouais. Et puis le fait d'avoir déplacé le truc. Pourquoi il re-rentre? Pour reproduire. Pour chauffer les silos. Ah. Et les scientifiques peut-être. Ouais, je crois. C'est pas mal. Si tu veux, on peut descendre en bas pour en discuter un petit peu. Ouais. Tardo. Ah bon, ici, allez, hop. Je suis tellement fiché sur les attaches tout pour les flammes sur les bâtiments. Allez vérifier si j'ai bien verrouillé la vanne, je suis pas sûr de mon. Mais je comprends pas, il branle le coup en fait là. Ah, mais t'entends, ils disent. Ils proposent d'aller retourner à la valve. Alors Bruno est pas sûr d'avoir verrouillé la valve. Franchement, la valve. C'est con, on a presque tout. Ils ont pas entendu l'énorme explosion. Bah, je sais pas, mais. Ils voient pas la fumée. Parce que bon, c'est visible là qu'elle est pétée la l'usine. Ah, Vingus rentre dans le tunnel, donc ils vont y retourner aussi, je pense. Pour l'instant, on bouge pas de là. J'en ai fait des allers-retours. Ils veulent prendre la voiture ou c'est moi? Ils peuvent pas, le Half-Track... Non, c'est pas l'Half-Track démange. Non, mais le Half-Track à l'entrée, il est verrouillé. Ben, il veut rester à l'entrée. Non, après, si c'est juste à côté, quand les autres seront ben, là, il peut plus courir. Qui est dans le canon, depuis tout ce temps? Là où je regarde, au niveau du drapeau rouge. Il y a Blut. C'est Blut, mais il est mort. Non, c'est Guts. Je me suis Guts. Ah putain, je vois toujours un truc. Oh, putain. Je pensais qu'il y avait toujours un mec au canon. Attends, je vais m'alléger là, parce que j'en peux plus. Non, il y a plus personne. Non, parce que je voyais un petit triangle vert, tu sais. Ouais. Par contre, Goya. Il est descendu. C'était Ben qui était avec lui. Ils ont quand même fait l'assaut sur l'officier avec deux armes. Avec verrou, hein. Ils ont pas attaqué avec des armes. Des fusils auto. Ouais. Moi aussi. Et donc bah, c'était motivé, ouais, quoi, que... passer les portes sans. Ouais, bah, quand t'as pas le choix, faut y aller. Ah, bah, ils l'ont fait, hein, mais. Alors là, je pense que Sylvain et Guts, ils vont aller chercher les scientifiques. Je sais pas. Mais l'explosion, elle peut leur faire du mal si ça réexplose ou pas vraiment? Oui, bien sûr. Bah, là, normalement, ça aurait dû réexploser, puisque. Non. Tu me suis? C'est fait pour, en fait. En fait, le bâtiment, il est indestructible. Et l'explosion est générée à l'intérieur. Et quand j'ai testé, quand j'étais à côté de l'usine, quand ça a explosé, j'ai reçu aucun dégât. Est-ce que t'as testé tous les axes autour du véhicule? Oh, moi, je prendrais des bêta-testeurs. T'as pas énervé. Non, parce que vous aviez dit que ça allait réexploser plusieurs fois, comme je me suis dit. Oui, non, bah, ça réexplose. On a pas dit que c'était que ça. Que, j'ai vu là-bas. Que ça réexplose, c'est pas grave. En soi, c'est. Il est possible que, voilà. Qu'il ne se fasse pas blesser. Et puis ça réexplose, bah tant pis, c'est pas grave. Boum, 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 boum. Et pourquoi ils sont rentrés dans le camp, là? Je pense qu'ils. Bon, ils vont soit à la valve, soit chercher les scientifiques. Les scientifiques, ils sont morts.
Non, ils sont pas morts. Ah bon? Non, ils sont pas morts. Ils sont dans la maison à côté de la guérite, là, où du mec qui t'a tué. Ah, putain, mais alors... Il reste un Allemand avec eux. J'ai mis un Allemand. Ah bah tiens, t'as une voiture qui est pas lock. Hein. Non, mais ils ont fait tout le tour pour choper cette bagnole. Vas-y. Ouais, je pense qu'ils ont voulu commencer par le H-Track, non? Non, mais ils sont sérieux, là. Ils ont fait tout le tour pour ça. Les choses en grand. Ah, c'est facile de critiquer quand on est un spectateur. Ouais, nous on est mort, ouais. Alors on a rien à dire. Ils ont pas toutes les infos, ouais. Hein, je vous rappelle que le tournant est mort. Ouais, ouais. Allez, mais non, mais Bruno nous a vu en fait. Les derniers survivants étaient au courant de tout. C'est ça qui est. C'est bon. Ah, y'a que Ben que je lui ai dit tire-toi, ouais. Repars à l'entrée là. Et Bruno il nous a vu mourir. T'as ce massacre quoi. Mais c'est clair, parce que ça partait vachement bien quand même. Ceux qui ont parcouru après l'entrée, le tunnel, le petit escalier qui mène sur la partie haute, c'est sympa. Ah ouais, franchement, ouais. On a lancé trois grenades avant d'être. Ah, c'est bien. On a eu le mec qui était en haut, et puis je pensais qu'il y aurait plus de résistance que ça, mais il y avait qu'un mec. Ouais, enfin, avec tout ce qui est. Attends, tous les renforts qui arrivent. Prendre plus que ça pour avoir des pertes. Ah non, mais là, je parle juste de l'escalier de la mort. Oui, bah. En fait, l'escalier de la mort, déjà que c'est assez compliqué, donc. Pour ça que c'est. Il fallait que ça soit. Au niveau de la difficulté, que ce soit un petit peu plus facile. Quoi. Ah, ils sont très belles missions. Très belles missions. Ouais, franchement, GG, mais alors GG immense au GM. Non, pas GM. Non, pas GM. Pas de GM. Michel Maker, je veux dire. Attention au terme, ouais. Donc, Ça veut dire que pour le coup, j'ai une granaque. Apparemment, quoi, t'as été le meilleur GM possible parce que t'étais bien mort. Je vous emmerde. Vous cherchez, hein, quand même. Pour ceux qui n'ont pas la référence, lancez la mort au canard. Tornac, t'as créé la base à Manu ou elle était déjà là? Non, le build qui a été procuré, c'est Sardo. En fait, à la base, si vous voulez connaître toute l'histoire, le début de la création de la mission a été faite par une idée de Goyaka, inspirée par le film Les Héros de Télémarque. Du coup, on a travaillé à deux avec Goya pour faire une première version. Et par la suite, elle a été améliorée grâce au build de Sardo, où lui, il a fait un build à lequel vous voyez aujourd'hui, qui du coup a créé la deuxième version de cette mission, donc une totale refonte. Quoi. C'est vraiment son truc à Sardo, création de base. Donc concrètement, oui, c'est un travail d'équipe qui a généré cette mission. Mais la question c'était sur le terme technique, il y avait déjà un truc à cet endroit là ou vous avez tout. En termes techniques, il n'y avait pas grand chose à apporter à part les renforts. Ce qui manquait sur la première version c'était les renforts. Non mais ils veulent savoir s'il y avait des choses. Des bâtiments. Les bâtiments, c'était tout déjà été décoré. La partie haute de l'usine et le tunnel, c'était plus ou moins présent sur la première. Après c'est sur la partie basse qui a été beaucoup plus travaillée. Sur le build. Historique, c'est Tandrus qui disait en jeu. Les gars, vous êtes. Oui, ils voulaient un script, mais. Non, ils veulent une fin de mission, ils n'arrivent pas à le faire, pardon. Ah si, 002. Bah, 001. Voilà. 001. Enfin, 001. Bah, sinon, c'est Goya l'admin. En boitant. Bah, Goya, je vais le faire, ça marche. Il met échec. Non, end. Bah, si. Alors, c'est quoi le truc? Pourquoi il met échec? Pourquoi il fait qu'ils sont en vie? C'est un échec. Non, c'est les objectifs secondaires. Comment ça, ça ne m'existe pas du tout? C'est pas un échec. Il veut la rejouer. C'est un échec. On m'a annoncé deux scientifiques morts et en fait ils sont en vie, c'est con. C'est pas grave. Non, c'est un putain d'échec. Je pense que vu le bordel. Ils sont en vie, c'est une réussite. Enfin, si tu penses que c'est mort. Moi aussi ça marchait. C'est qu'il faut faire chiffre 001. Non mais tu sais, c'était peut-être comme la valve en fait. C'est tu lances l'action mais en fait il se passe rien. Non, ta gueule. Mais ça marche quand même. Non, c'est juste qu'avec Ace et des conflits de touches avec Ace, c'est pour faire les triggers radio, c'est 0. C'est il faut appuyer sur shift et après faire 001. Voilà.
petit briefing. Sylvain. Sylvain. Oui, mon petit cerveau. Boulet, va. Gros boulet. Ah bon, c'est comme ça que tu parles de ton chef. Désolé, moi je fais repli, je m'en prends dans pleine tête, après tu meurs, à chacun sa vie. Hein. Et tu m'as dit, ça vient d'en bas. Mais non, on était loin d'en bas. C'était un mec qui était dans les arbres. Alors, s'il vous plaît, je suis assez fatigué. Est-ce qu'on peut faire le briefing? On l'a fait il y a 2 heures. Le débrief. Oui, mais tout le monde. Oui, mais il y a le briefing, on l'a fait il y a 2 heures. Ah ouais, il a raison. Hein. Le débrief. Vous êtes sérieux? Oui. Le débrief plutôt, Stator. Allez, go, ah oui, excusez-moi. Eh ben oui, t'es fatigué. Alors, bon, mes plans qui se déroulent pas mal jusqu'au début, jusqu'à ce qu'on enfin, phase de reconnaissance, qui s'est déroulé à peu près comme. Comme je voulais, au final, Juliette s'est retrouvée vachement plus au nord que ce que je pensais pour poser sa mine. C'est pas plus mal. On en reparlera. on en reparlera. J'y étais pas, moi. Début d'assaut sur le tunnel qui se déroule vachement mal pour une partie de Syrah qui était un peu excentrée. C'est dommage. Ils se sont fait un peu défoncer de tous les côtés. Et ensuite, ben, du coup, j'ai switché les équipes vu que Syrah était un peu endommagée et avait besoin de soins pour laisser Juliette nettoyer la base. Après, sur le nettoyage, je veux pas grand chose à dire. Au fur et à mesure, vous avez bien avancé. Alors, par contre, quand on m'annonce que des scientifiques sont morts et qu'en mode spectateur, après, je vois qu'ils sont pas morts, je sais pas ce que vous avez tué, mais c'était pas des scientifiques. Et puis ben voilà, enfin, moi j'ai pas grand chose à dire, c'était bien passé. Je pense que toutes les équipes ont eu des choses à faire. Je m'inquiétais un peu pour ceux qui allaient rester à l'entrée de la base pour les renforts, mais au final ils ont mangé cher. Et puis voilà, enfin, pas rien d'autre à dire. Je vais laisser les autres, parce que moi j'ai fait les allers-retours dans le tunnel et j'ai laissé les SL gérer les points que je leur avais donné. Ira, si tu veux enchaîner. Un de mes groupes a pas eu de bol. Je veux dire, je pensais vraiment qu'ils allaient pouvoir voir de l'autre côté et traiter, mais ils se sont retrouvés à se faire tirer de la ville, de l'antichar à l'entrée du bunker et aussi de l'entrée principale. On a eu de la chance, on a perdu que 2 gars. Déjà pas mal. Et puis après, non, l'assaut de rouge, ça s'est bien passé, nous, ça a été lent, mais on a pu traiter les trucs. Et puis, vu que t'as inversé, comme tu dis, avec Juliette, bah nous, on a tenu notre position avec les 5 survivants. Et là, on s'est fait vraiment attaquer de tous les côtés. Je crois qu'on a dû avoir, c'est combien, Sardo? 4 camions, je crois, quand t'étais encore en vie. 4 camions de transport de troupes, on a une... Bah déjà, ça nous a sauvés parce qu'on a vu la mine que Chine avait posée. Ouais. On a vu la fumée et là, on s'est dit, putain, ça pue. Et là, on a vu plein de camions arriver et on s'est fait attaquer. On a fait que ça, se défendre et tout. Donc, c'était pas évident, là. C'était même tendu, vu qu'on avait que le canon anti... Parce que la MG avait été déjà... vidée. Et puis bah, après, une fois que la zone était sécurisée, on entendait bien qu'il y avait un autre véhicule de l'autre côté, mais dès qu'on a essayé avec Sardo pour traiter sous tes ordres comme un mystery, moi je me suis pris une balle, et puis bah, Sardo lui il est tombé après. Donc j'ai pas vu où était le mec, mais je pense que ça doit être le gars que t'as traité comme un Dranak. C'était un officier. C'était c'est l'officier, ouais, parce qu'il y a un mec qui est arrivé sur l'entrée du truc et Dranak l'a traité. Mais je pensais pas que t'étais mort, toi, Sardo. J'ai vu les tirs arriver et hop, je me suis replié. Puis après, une fois que Sardo était mort avec Dranak, on a essayé de traiter le dernier chenillé, ce qui a été fait. Mais je sais pas comment tu es mort, Dranak. J'ai pas compris, parce que les gars, en fait, ils m'ont pas tiré dessus, les Allemands qui sont sortis, donc le shrapnel, c'est forcément ça, quoi.
D'accord, ok. Bon bah ils ont été traités, et puis avec Guts, bah vu que j'arrivais plus du tout à avoir communication, la dernière communication c'était avec toi Goya, qui disait que le chef était en train de jouer avec les tournevis. Ouais, et, c'est ça. Et puis après j'ai plus de contact avec vous, donc nous avec Guts on a essayé de sécuriser l'entrée principale, c'est ce qu'on a réussi à faire tous les deux. Un peu galère, un peu avec le bunker de l'antichar avec les grenades, mais ça a été bon. Et puis bah après, on essayait de vous communiquer avec toutes les radios. On a vu un gars se barrer quand on est rentré à l'intérieur, mais il n'avait pas de radio. Et puis Ben et Bruno sont arrivés derrière. Donc nous, on a refait un dernier tour dans le camp, en cas où il y aurait des blessés, mais bon, on voyait pas grand-chose. Et puis on s'est fait prendre à partie par un tireur isolé, donc on s'est barré, et puis voilà. Bien joué pour Blood et pareil pour toi Shin au groupe. Bravo à Nico qui a été assez brave pour passer en premier. Bah oui, 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 c'est vrai, relevez ça, ouais. Pauvre Nico. À ton âme. Je sais toujours un. On savait tous ce qui allait lui arriver, quoi. Aucun de nous n'avait de doute là-dessus. Alors, c'est vrai que j'avoue là-dessus, et c'est ce que je t'avais dit, hein, il y avait un gros risque, mais c'est pareil, on a failli se faire buter, et Mystery l'a vu, hein, parce que dès qu'on montait un peu sur le rocher, en fait, on se faisait buter de la ville. Donc les gars étaient assez bons de la ville pour nous asmater jusque. Ouais. On a eu de la chance. Je sais pas lequel m'a tué. Je pense que c'est la ville. Hein. Donc voilà, pour nous, c'est à part si Shin, t'aurais quelque chose à dire, je pense. Globalement, quand je dis que c'est mortel et que avancer c'est mourir, enfin je disais que le gros découvert on se fait tirer de deux côtés, bah ça va pas manquer. Donc je pense que fais plus confiance aux informations qu'on te remonte, je pense que ça aurait évité qu'on crève. Parce que tu nous as demandé de traverser, on aurait pu le faire avant de tirer. Mais une fois que c'était engagé, tout le monde était sur le qui-vive, on était foutus. Je sais, c'est ma faute à moi, mais je voulais que tu traverses quoi qu'il arrive le découvert pour te mettre de l'autre côté. Je m'attendais pas à ce que le canon anti-char nous traite. Ah bah pour le coup, on s'est fait traiter par la MG d'un côté, par le côté. Enfin, c'était prévu, hein. Pour le coup, je savais qu'on allait au moins avoir une perte, hein, au minimum. Mais bon. Bablet. Non, nous ça s'est bien passé, la phase d'assaut s'est bien déroulée. Oh, je suis mort dans une fusillade quelconque, enfin, il y avait rien. Pour si, il y a un moment quand on s'est tous calés dans le bunker, je sentais que c'était un truc de merde, mais je savais vraiment pas où aller d'autre, quoi. Et on était tellement collés qu'on pouvait plus vraiment se déplacer dans le tunnel, et c'est comme ça que je me suis fait tuer, mais à part ça, non, pas de problème. Vraiment cool comme mission. En fait, Blood était au niveau de l'entrée du bunker et la porte était ouverte. Donc, j'étais sujet. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à fermer la porte quand le. Je savais pas que la porte se fermait en fait. Et moi j'essayais de me coller plus dans le coin, sauf que comme il y avait un autre joueur, bah enfin je pouvais pas aller plus loin, quoi. Ouais, non, c'est terrible. Mais bon, c'était super. Puis... La phase de défense, bien joué les gars, enfin c'était super cool. Bah, là on a dû tous se recoller dans le bunker parce que au niveau de l'AMG il y avait plus moyen, le mur avait sauté derrière et il y avait de l'infanterie qui grimpait sur les hauteurs au niveau des commandes de la végétation. Donc, on avait pas de choix. Coincé comme des rats alors. Mais c'était. Enfin, j'imagine que c'était le but voulu aussi. Et c'était bien fait, c'était cool. Ouais, on a eu de la chance là. Passez-nous pour nous. C'est fini. À toi, Juliette. Que dire ? On s'est fait atomiser. Enfin. Je sais pas ce qui s'est passé avec avec Nemo. Non, c'était pas Nemo, c'était des qui sont fait Totor. Oui. T'es mort comment toi? Il y avait un mec tout au fond, il m'a tué comme si c'était un sniper. Ouais, sur bunker, sur toi là. Ouais, près du toit là où il y avait le flak. Mm-mm. Et ouais. Et puis pareil, il y a eu deux autres morts bêtes, alors qu'ils étaient que deux, alors qu'ils sont censés être ensemble, quatre. J'ai pas compris pourquoi ils étaient tous les deux en train de... Bah tout seul, en train d'essayer de neutraliser un gars. Ils étaient totalement espacés. C'est la chose regrettable que je peux avoir sur cette mission, quoi, parce que sinon sur le reste ça s'est bien déroulé. J'ai
chiffres après sur l'investissement du attends, je suis désolé là, j'arrive plus à trop parler. L'investissement du putain. La vieillesse. Complexe. Du complexe, voilà. Merci. On a été assez rapide jusqu'à ce que on se fasse à se mettre au niveau du système de refroidissement. Et du coup là c'était un peu la galère pour le temps de traiter les BC et de trouver les tirs. Tout venait et essayer de neutraliser les tirs. Mais bon, j'en ai payé le prix. Et du coup, après, je sais pas ce que. User disconnected from your channel. Parce que c'est passé, donc du coup, je vais laisser la parole au gars qui a repris mon lead après. Je sais pas qui c'est qui a repris. Et ben, après que tu sois mort, je commence à soigner les autres. Parce qu'il y a, je sais plus, c'est Ben ou Bruno qui pouvait plus marcher, je crois. Et donc après Mystery est arrivé, on a fait le tour du truc pour aller buter l'officier. Donc, je suis monté avec Bruno, je crois, ou Ben, dans la baraque. On a trouvé l'officier, on l'a buté, on a descendu. Et après Mystery, il voulait aller, pour le système de refroidissement. Et donc du coup, il est allé lui d'abord. Il lui a dit ouais, si je meurs, Goya, ben t'y vas. Donc ça m'a manqué, mais je suis mort, j'y suis allé, je suis mort après. Voilà. Et en fait, le mec dans la guérite, impossible de le voir. Putain. Voilà. En fait, je l'ai vu en traversant, moi, et je me suis dit tant pis, je cours, je me dépêche. Et après, Dranak m'a feinté sur l'action du truc. Et voilà, et puis Bruno, bravo, parce qu'il a eu l'idée de contourner le truc, il est passé par l'autre côté, et il a finalement buté ce putain de mec dans la guérite. Bravo à toi. Voilà. C'est une phase qu'on voit souvent, c'est-à-dire que on est bloqué à un endroit, il y a un mec qui traverse, il se fait buter, et le second traverse, il se fait buter. On sait d'où proviennent les tirs, mais on voit pas le mec. Donc dans ce cas-là, il faut changer d'axe, il faut se barrer. Ouais, non, est-ce non, mais ça, oui. Mais là, à la fin, l'idée, c'était c'est qu'on aille vite pour se tirer vite. Et ouais. Normalement, j'ai le temps de faire l'aller-retour, si je comprends comment fonctionne le truc. À un moment donné, vous étiez contre là où il y avait la vanne. Et puis, toi, t'es arrivé et vous êtes tous repartis le long de l'eau, vers l'entrée principale, et vous êtes allé buter l'officier. Ouais. Tu vois, là vous avez quitté cette position de blocage, vous êtes barré et vous êtes revenu après, quoi. Voilà. Mais il aurait fallu le faire avant parce que vous auriez perdu moins de monde. C'est un peu de ma faute, justement. Ça. J'aurais dû le voir avant. Ouais, ta faute, tu passes pas le voir. C'est le fait, c'est d'insister. C'est ça qu'il faut pas faire. C'est tous retrouvés aussi blessés au même endroit là, il est resté trop chaud, longtemps quoi. Et puis le mec sur le réservoir aussi, il était difficile à voir. Et le mec d'un guérite aussi. Donc du coup voilà. Vous avez pas d'autres trucs à rajouter Juliette? Non, c'était très bien, Tech et Bruno, impeccable. J'ai une question pour Juliette. Qui est-ce qui a placé la mine chez vous, la mine anti-tank sur la route? Moi. Bruno? Ouais. Et c'est valable pour les autres s'ils ne savent pas. Quand vous placez une mine anti-tank, c'est comme une charge. Quand vous placez la charge, il faut également l'activer, l'armée. L'amorcer. Avec plaque de pression, en fait. Voilà. Donc, quand vous placez la charge depuis explosif, vous faites en sorte de faire une interaction ace-autrui sur l'environnement. Donc vous visez votre mine, et en fait vous allez l'amorcer avec une plaque de pression. Ça peut aussi être repère, mais enfin, détecteur métallique aussi. Ça peut, enfin, il y a plein de cas. Enfin, dans tous les cas, voilà, vous avez plusieurs options. Donc dans tous les cas, quand vous posez la mine, elle n'est pas amorcée, c'est juste que vous la posez, et après vous devez faire une deuxième option qui s'appelle amorcer. Donc là, c'est comme quand vous mettez une charge,
C'est la même chose quand vous mettez un détonateur ou une minuterie. C'est la même chose pour les mines, qu'elles soient anti-tank ou anti-personnel. Et on le voit bien quand elle est amorcée parce qu'elle s'enfonce dans le sol, et donc elle est au ras du sol. Alors que quand elle est posée, elle est presque au-dessus du sol. Quoi. Bien reçu. Donc voilà. C'est pas grave. Au moins vous saurez, puis. Mais c'est valable pour tout le monde. Il y en a, je pense, peut-être qu'ils savent pas le faire. Et... Donc au final, c'est un échec ou c'est une réussite? Je sais pas, Mystery. Hein. C'est une réussite, que parce que, en fait, historiquement, effectivement, ils n'avaient pas beaucoup d'eau lourde. Et ils y sont allés plusieurs fois. Il y a eu plusieurs échecs sur cette mission. Il y a des Britanniques, notamment, qui sont allés avec des planeurs. Il y a un planeur qui s'est crashé dans la montagne. L'autre, il s'est posé en catastrophe. Les Allemands les ont tous chopés, les ont tous fusillés. Et au final, ils ont quand même réussi à... pas dans les un Allemands... bateau. Ils ont pas chopé ouais. Le bateau ouais. Et en fait, les Allemands ont réussi à produire malgré tout de l'eau lourde. Ils l'ont chargé sur un. C'est pas un ferry. Un ferry, non, non. Un ouais. Ferry, un ferry ouais. Il y a plein. Et de ils ont coulé le ferry dans le lac ou dans le fjord. Mais ça c'est sur 2-3 ans. Hein. Ils ont bombardé, ils ont fait plein de trucs, ils n'arrivaient pas à stopper le truc. Donc déjà le fait d'avoir détruit les camions, la mission elle est réussie. Après là vous avez tué, vous avez détruit aussi l'usine, donc c'est bien. Donc au final tout le monde est mort à cause de l'explosion de l'usine, non? Personne n'est mort à cause de l'explosion. Ah, ouais, vous êtes juste mort au fur et à mesure avec des tireurs isolés quoi. C'est ça. Enfin, à part toi, Chine, qui a pris un coup de canon dans la gueule. Non, c'est pas tout ce que j'ai pris. Non, c'est moi, ça. En tout cas, l'ambiance. Pas mourir, je peux dire quand même quelque chose sur la mission. Moi, j'ai pas eu l'info. Elle est pas redescendue jusqu'à moi. Je savais pas qu'il y avait un deuxième canon anti-char. J'étais pas au courant non plus. Pour moi, il y avait un canon anti-char qui était à l'entrée principale. Ben en fait, Rouge l'a dit et moi je l'ai redit aussi à la radio. Rouge a demandé confirmation, mais j'ai jamais entendu la réponse. Après, j'étais pas fait gaffe. Hein. Bah alors, je veux revenir là-dessus aussi. Moi aussi. Pendant longtemps, il y a eu un truc avec Sylvain et Chine en fait. Parce que moi, j'avais pas la communication de Chine comme il était trop loin et j'entendais que Sylvain. Et à un moment, j'ai entendu qu'il y avait un canon à l'entrée droite du tunnel. Mais après, j'ai demandé confirmation et il m'a dit non, en fait, il est dans la base principale. Et après, j'ai redemandé à Sylvain, il m'a dit non, il est dans l'entrée droite du tunnel. Donc je préférais traiter comme s'il y avait un canon de char à l'entrée droite du tunnel, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai final, qu'il y a un petit problème de commun là-dessus. Bah oui, parce que l'information qu'on a su du canon, c'est de vous, Bleu, de toi, Shin, qui nous a dit qu'il y avait un canon anti-char. Entrée principale, j'ai toujours été principale. Hein. Ah ouais, d'accord, putain. Bon, bah c'est de ma faute. Mais c'est pour ça que j'ai demandé un moment directement à Shin par radio, et Shin m'a reconfirmé entrée principale. Mais bon, enfin, heureusement, parce qu'il y en avait aussi un dans l'entrée secondaire. Pour le coup, je le voyais pas, je voyais le bunker et pas le canon. Ouais, donc moi, je suis resté sur l'entrée principale, donc au final, c'est sur ça qu'on était. Ça ouais. Explique pourquoi vous avez pris l'obus, je me dis mais pourquoi il court là et puis bon, il se bah, prenait un obus. Le premier tir on l'a senti, mais il a rien fait. C'est le second tir en fait où Spatz courait face au canon. Et en fait il pensait que c'était l'entrée principale qui tirait et pas à l'entrée secondaire. Donc il a couru vers l'entrée secondaire, ce qui est aussi con parce que c'est qu'il y avait une MG. Mais et pour le coup bah la retombée a fait que Drana qui est. Moi j'ai pris le fémur de Spatz dans la gueule, donc je suis mort direct. Et Drana qui a pris cher aussi sur le retour. J'ai fait un double salto noté 5-6, 5-7, 5-8 par les juges, et voilà. Et nous on a mis du temps à le traiter, Rouge, parce qu'on se faisait asmater de la ville. Ouais. Bah ouais, parce qu'on a commencé à traiter, on a balancé grenade, après on a dû battre en retraite, et après on y est retourné. Ouais. Et on n'a même pas réussi à le traiter à la grenade, on a dû le vider les chargeurs dedans. Moi j'y vais, bonne nuit à tous. Salut, bonne nuit. Moi j'étais à côté de Spatz. Et donc on avance vers le tunnel. Et là, à ce moment-là, j'ai pris deux tirs de canon. Donc j'ai commencé à rouler sur la gauche. Sauf que j'ai tellement roulé. J'ai fait, je sais pas, 10 roulades pour s'attirer de partout. Et j'ai pris des tirs ensuite de la MG qui était à l'autre entrée. Et là, je disais Spatz, plus personne. Chine, plus personne. Et là, j'ai dit, bon, ben c'est fini pour moi, quoi. Bah, ils ont eu du bol, vous. Au moins, ça devait être sympa le combat hein, pour Sardou et Drannak là. Drannak était là, mais l'autre il a un morceau, il me dit. Bah oui, j'ai vu Spatz partir en puzzle dans la nature. J'avais pas m'amuser à les soigner. J'ai vu voler dans les herbes. Ah, non, mais c'est bon quoi. Il fallait tout simplement se replier. L'ambiance dans le bunker elle est super chouette.
Ah, c'est vrai qu'on a bien kiffé là, la partie défensive. Parce que là, pour le coup, il y avait du monde et ça tirait de partout. La preuve, parce qu'on s'est tous retrouvés à être enfermés dans le bunker pour se protéger, hein, tellement qu'on prenait de tirs. Puis la dernière fois que j'avais fait une mission, j'avais été aussi le groupe qui doit couvrir les renforts. Et bon, à cause d'une couille, les renforts étaient jamais venus, donc j'ai vu que ça allait être la même chose. Et à l'instant même où je commence à me dire ça, la mine pète. Et là, je me suis dit, bon, c'est bon. Ah, c'était sympa ça aussi. C'était vraiment cool. Hein. On s'est dit, merde, qu'est-ce que c'est? Et puis d'un coup, on a vu la fumée, la mine. Putain. Ouais, c'est bien parce que ça a bien intercepté au moins le premier camion. Mm. Ouais, parce que sinon, on serait fait déborder sinon. Là, c'est ça, Andranak, on en a compté combien? 5 ou 4 la camion qui était. Techniquement, il y avait 3 camions et 2 half-track. Alors, non, il y avait un half-track qui a fait demi-tour, qui a voulu passer le pont, c'était une mauvaise idée pour lui. Donc, okay. Il n'est jamais venu. Mais concrètement, il y avait 3 camions de transport, bien fournis quand même. Et un half-track, du coup, il s'est bloqué sur le rocher. Mais bon, ça, c'est le fameux pathfinding d'IA, on ne va pas corriger ça. Que du coup, Sylvain, tu l'as neutralisé avec ton bazook. Ben là j'ai regardé la vidéo, j'ai vu là, je le tire et à ce moment-là tu meurs. Parce qu'au début j'ai cru que t'étais derrière moi quand j'ai tiré avec le bazooka, mais non en fait t'étais sur la gauche. Non, mais je pense que c'est le shrapnel. Pour ces temps-ci j'ai pas trop de chance avec le shrapnel, hein, que ça soit grenade ou lance-roquette. En plus j'ai hurlé, mais vas-y tire leur dessus avec ta mitrailleuse, avec mon fusil je vais rien faire. mais j'avais le gunner, mais je me suis dit bon t'étais prêt à tirer à la T, bon je vais te laisser briller cette fois-ci. On va l'appeler Shrapnel Man. On est tous morts. Aimant un Shrapnel. Tu sais que j'ai quand même flippé hein, quand j'ai tiré avec le bazooka. Parce que la dernière fois que j'avais tiré avec, j'étais mort. Hein. derrière le puma, j'avais pas kiffé. Hein. C'était sur les 12 salopards. Tu engageais le 12, le puma, exactement. C'est pour ça quand tu m'as dit que tu pouvais tirer, j'ai bien vu qu'il n'y avait pas de danger. Alors j'ai dit, est-ce que je tire ou pas? J'ai vraiment flippé quand j'ai cliqué, parce que j'ai fait, si je meurs, je vais avoir la rage. Et non, ah. Ça c'est toi qui es mort en fait, malheureusement. T'as vraiment pas eu peur. Ouais, bah, c'est tant mieux. Au moins, du moment que le leader est en vie pour transmettre des informations, c'est le plus important. En tout cas, merci, hein, tu m'as sauvé la vie quand moi et Sardo, on est partis. Parce que j'attendais Sardo, je fais, il m'a perdu, il est en train de me chercher, parce que... J'entendais plus rien, je savais pas qu'il était mort lui aussi. Qu'il était mort. Et moi, quand je suis arrivé vers toi, c'est juste que j'ai vu l'officier qui était sur votre sillage, quoi. Et il était revenu, et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il est passé à côté d'eux, qu'il soit passé à côté d'eux, sans qu'il y ait un affrontement. Oui, non, mais bon, enfin, moi je voyais rien, j'entendais rien. C'était, l'action de votre côté se passait derrière les buissons, quoi. Et je me suis dit, c'est. Parce qu'en fait, avec Sardo, on a vraiment longé tout le truc, tranquille, on était bien. Et puis, à un moment, je commence à avancer. Sardo, je lui fais, bah, ça a l'air d'être bon. Il est passé devant moi, il s'est mis sur la droite. Et là, je commence à ravancer un peu. Et là, je vois une mitrailleuse qui m'enchaîne du camp. Et je voyais tous les impacts de balles. Donc là, je fais repli, je recule. Et puis, je me prends la balle sur la tronche. Donc, pour moi, c'était une mitrailleuse. Je m'attendais pas du tout que ça soit de l'infanterie, parce que je voyais les traceuses qui arrivaient de cette direction-là. Non, c'est vrai? Oui. Parce que moi, j'entendais que c'était un petit pétard. J'entendais, moi. Moi, ce que je voyais, c'était pas un petit pétard. Était, hein. On était très loin hein, de la... Ah, ouais. Ah oui, de l'entrée principale. Ils pouvaient pas nous voir. Hein. D'accord. Je sais pas... Bah déjà, regarde, ah si, il y a un truc qu'on n'a pas dit aussi. Quand Blood, au début, Nico, il s'est fait shooter par un tireur qui était en haut du silo. Ouais, moi aussi. Personne l'a vu, ça. Je ouais, m'attendais pas du tout. Et le pire, c'est que Guts m'avait prévenu. Il m'avait dit check à la jumelle s'il n'y a pas quelqu'un. J'ai regardé, j'ai rien vu. Et il y en avait un. Il n'était pas exactement à l'endroit où j'avais regardé, mais il était un peu en dessous, quoi. Ouais, la première mission, c'était ça. Et c'est moi qui avais mené l'assaut. Et on avait regardé, on avait traité les gars. Et là, j'ai même pas pensé à regarder là. Et en fait, le mec, il était même pas sur la cheminée. Je pensais qu'il était dessus. Et en fait, il était complètement à 100 mètres à gauche sur un autre pauvre truc à la con. Et c'est chaud de le voir. Là, je dois savoir que j'avais pas du tout pensé à regarder là, quoi. Malgré le fait que Guts me l'ait rappelé, cet endroit-là spécifiquement. Ouais, parce qu'à un moment, je l'ai vu, je lui ai tiré dessus. Et j'ai dit, c'est peut-être un truc, je sais pas. Et puis d'un coup, j'ai vu qu'il y avait plus rien. Donc j'ai fait, bon, bah, ça devait être lui. Et après, on a rien eu. C'est vrai que Nico est mort de lui, en fait. Il est pas mort du. Le mec de l'AMG, il a été traité vite. L'anti-tank, il pouvait rien nous faire. Ouais, mais il y avait un deuxième mec dans le bunker. Ah, d'accord, ok.
Après lui je l'ai traité à très vite le deuxième mec dans le bunker, mais je pense quand même que c'est le sniper parce que je suis tombé, je suis aussi j'ai été mis KO juste après Nico. Et je pense que c'est le sniper aussi. Enfin cool. Je regarde votre le tir du canon, oh, c'est vrai que ça réveille, hein. Ça vous mettait en condition tout de suite là. Putain, les deux tirs que j'ai pris vont... User in your channel timed out. Putain, c'est chaud là. C'est vrai que je comprends, je vois pas pourquoi il s'est levé, il a couru. Bah, il pensait que ça tirait de la gauche en fait, vu qu'on savait qu'on avait un canon à gauche. Ah non mais c'est de ma faute parce qu'en fait quand t'as donné la com de l'anti-char, pour moi c'était sur mon entrée à moi. Je pensais pas que t'avais de visuel sur l'entrée principale.